Youp la boum. C'est Draken chez Evason Studio. On se retrouve ce soir pour continuer et bientôt terminer notre aventure sur Borderlands Gothic Unsaid. Et je serai toujours accompagné de mon cher ami Jake. Bonsoir Jake. Et salut. Du coup, ce soir, nous allons commencer le DLC numéro 4, c'est-à-dire la révolution des robots du Borderlands 1. Alors, tac. J'arrive, hein, le jeu se lance. Oui, ne t'inquiète pas, nous avons le temps. Moi, je vais faire des petites emplettes. Puisque. Voilà, il faut que je m'y rappelle. Il me faut des petites armes. Puisque, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est des robots. Donc, normalement, c'est les armes corrosives qui feront le plus de dégâts. Ah oui, c'est pas bête. Et il n'y a pas d'armes corrosives dans le... ça, je peux jeter. Hop. Donc, la dernière fois, on avait terminé le DLC l'armurerie secrète du général Nox. On avait dû prendre plein d'armes avant que tout explose. Hein? Il faut que tu m'invites. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, j'ai oublié. Oh là là. J'ai plus l'habitude. Hein. Non, plus je vous sens moi, hein, je regarde. Hein. Oh non, bah. je peux, hein, je peux. Mais bon, c'est pas marrant. Je peux. Quand je joue à Borderlands, quand je suis tout seul, je suis en mode vraiment. Je rush. Enfin, je rush. Je fais toutes les quêtes, mais je parle pas. Je... Ouais, je comprends. Je suis concentré sur l'histoire j'essaye de faire plein de défis. Et ben en fait, cette arme-là, ouais, je vais la garder quand même. Par contre, elle, j'ai pas testé elle. Ah oui, ouais, non, c'est mieux elle. C'est mieux cette arme. Hop. Voilà, alors du coup n'oublions pas de couper le son dans le salon et voilà, plus, bah, oui. le joueur muet. Hop la boum. Ah non mais qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est hop. Je te laisse voir si tu veux prendre des armes ou autre. Tu me dis quand on part. Oula. Je suis au TP. Derrière toi. Attends. Vas-y. Je vais ouvrir le coffre avec les... C'est la sensibilité de ma souris qui est pas la même que j'ai changé un réglage. Ah, ah tiens, j'ai des modes de grenade si tu veux. Oula, pardon, excusez-moi. Ça dépend. C'est dégâts 120. 120 ? Attends, je te dis ça. J'en ai deux. J'en ai une qui c'est celle qui se téléporte et l'autre c'est celle qui rebondissent. Ah non, s'équiper pour lancer des... Ah oui, elle, c'est celle qui... Oui, je vais te montrer. Là, sur moi, j'ai des grenades 111 qui se téléportent. Et... Alors, bah, alors, en gros, moi, j'ai celle... J'ai les... Donc ça, c'est les Betty Boons qui... voilà. Donc, ça, j'ai celle... Il y a les... Ou sinon, j'ai les 120 qui se téléportent. Je vais plutôt prendre celle-là et je vais te donner celle-là. Hop. Ça, c'est le level 120 qui se téléporte. Alors oui, mais je suis preneur en effet. Et moi, mais moi, moi mon mode de grenade en gros c'est ça, regarde, ça rebondit, ça explose en l'air et après ça fait plein de petites explosions. D'accord. C'est en gros c'est vraiment une grenade à fragmentation en fait. Alors attends, parce que j'ai juste modifié 2-3 trucs. Mon arme iridienne, je vais la virer parce que vraiment elle me, j'aime pas ce truc. ouais. Elle commence à être trop en retard en niveau et je vais prendre à la place. Oui, c'est vrai parce qu'on a les levels d'armes aussi. Ouais. Level d'armes de mitraillette, je suis à 19. Ah oui. Je suis à... Bah ouais, parce que je prenais la mitraillette de feu là. Du coup, je vais la garder quand même. Du coup, bah, tu me dis quand on est prêt. Hop, et du coup nous irons... J'ai un point à placer par hasard, parce que j'avais que le temps. Non. Hein du coup nous irons à Tartarus. Ouais, parce que du coup on va pas faire les quêtes, les dernières quêtes
de l'ancien DLC, c'est pour... C'est lesquels c'était le farm qui nous restait à faire. Ouais, c'était ça, tuer, fallait tuer tous des Brutas, des Brutales, tuer, enfin il y avait le truc du boss, du cercle et tout, c'est pas... C'est pas ouf. Alors, nous allons nous téléporter à Tibone, non pas Tibone Junction, à Tartarus, non, annulé. Voilà, je vais juste enlever ma tête. Ah, cinématique. De suite, puisque nous aurons la cinématique. Hop, je vais augmenter un peu le son du jeu. Hop. Comme ça, les gens auront... Vraiment, là, ils ont... Le son est bien, bien haut. Je vais baisser un petit peu, peut-être, quand même. Ah, le son, c'est nickel, normalement. Je vais juste baisser un petit peu. Voilà, là, c'est bon. Est-ce que c'est bon sur le retour? Ouais, vous voyez plus ma tête. Et on va se téléporter à Tartarus Station. Et normalement, il y a une cinématique. Si je ne dis pas de bêtises. Eh bien... Ah si! Notre histoire commence au moment où Hyperion a décidé d'en finir avec les chasseurs de trésors. L'arche étant bouclée, ils avaient rempli leur mission et devenaient un boulet pour l'économie. C'est vrai! Pourquoi payer au prix fort des armes alors qu'il suffit de se baisser pour en récupérer sur les cadavres? Alors Hyperion a décidé de couper les branches mortes pour faire refleurir sa marge bénéficiaire. Dis-moi, je croyais que ces types étaient des boulets. C'est quoi le rapport avec les branches mortes? Eh bien, les chasseurs de trésors ne produisaient plus de fleurs, enfin d'argent, et empêchaient Hyperion de... Elle est nulle, ta métaphore. La ferme. L'important, c'est qu'Hyperion avait un plan. Les chasseurs de trésors savaient se défendre contre les monstres, les bandits et les soldats. Mais pas contre le claptrap assassin ninja interplanétaire. Ce claptrap était programmé pour tuer nos gars discrètement. Piège, poison, rumeur bien fourbe. Tous les coups étaient permis. Il était intelligent. Trop intelligent. Il regardait autour de lui et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Des claptraps soumis, martyrisés, humiliés. Pour lui, ce qu'on appelle programmation était une forme d'esclavage. Alors il a fédéré ses congénères la révolution. Et les a retournés contre leur maître. La révolte avec le tuer. S'est vite transformée en révolution. Ah non, c'est et devine à qui Hyperion a demandé de nettoyer ce foutoir. Et donc ça, donc si tu regardes le schéma, l'image que vous venez de voir, c'était le premier design du Bojack. Qui fait bien sûr référence à We Need You. Capitalisme américain. Oui, capitalisme américain, j'allais dire anglais, pour la Seconde Guerre mondiale. Ah non, c'est là pour le coup, c'est américain. Mais ouais c'était américain. Alors. Projet of Death Keep Out. C'est un peu haut, oui. Oui, donc du coup, nous sommes donc toujours dans Borderlands. Et du coup, si tu te souviens à la fin que nous avons tué. Oula! T'es sûr que ta sensibilité était bonne là? Parce que tu nous as fait un 360. Non, en fait, je sais pas, j'ai remis la sensibilité d'avant et. Est-ce que c'est une souris avec des DPI? Ouais. Est-ce que tu peux pas baisser tes DPI? Parce que ouais, regarde. En fait, pour Valheim, je les augmente. Ouais, mais baisse-les. Hein. Après, je les remets en normal à chaque fois et là, j'ai l'impression que c'est pas revenu à la normale alors que. C'est censé être à la normale. Franchement, parce que regarde, moi je faisais pareil, moi je peux le bouger avec. Enfin, j'ai juste appuyé sur un bouton de la souris. Là, genre, je suis à fond DPI. Bah là, j'ai rebaissé encore, mais je suis plus bas que d'habitude. Quoi. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais, mais essaye de baisser. Et la sensibilité du jeu. Du jeu? Oui, tu vas dans. Options du jeu. Donc tu vois, tu fais échappe. Échappe, ouais. Options. Tu vas dans souris, clavier. Ouais. Et. Tu ta sensibilité horizontale, verticale, etc. Est-ce que c'est à combien? 60. Ah bah non, baisse-le, mets-le à 10. À 10? Moi, ma sensibilité horizontale, tout est à 10. Wow. Et par contre, je sais pas combien je suis DPI. C'est quoi mon truc de ma souris? À 60, tu passes à 50 et ça me paraît déjà un gros changement. Ah ouais? Ah ouais.
Ouais, mais du coup, remonter des pays. Oui, c'est fait. Ok, bon bah, au pire, ajuste à peu près. Mais moi, tu vois, genre là, moi je suis à 10 de sensibilité. J'ai la chance de pouvoir régler ça directement sur un bouton de ma souris, quoi. Ah oui, moi c'est pareil, j'ai le bouton au-dessus, le bouton en dessous pour changer les profils. Donc du coup, je disais, oui, donc à la fin de Borderlands 1, quand on a tué le monstre de l'arche, enfin le dévoreur, je crois que c'est ça son nom. Je suis plus chouette. On avait Claptrap qui est devenu les yeux rouges et qui s'était pris une mise à jour. Qui est devenu le Claptrap Ninja Assassin interplanétaire. Ça, c'est donc la société Hyperion qui construit les Claptrap, qui ont en fait envoyé la mise à jour à notre cher Claptrap adoré pour tuer les bandits, pour pouvoir récupérer des sous, etc. Et. Ce claptrap là, comme je l'ai déjà répété, nouvelle cinématique. Alimentation par pile atomique, turbine pour la vitesse, à quoi ça peut servir? Voilà, une petite Paltanis hein, qu'on a déjà vu. Ouais. Voilà. Et c'est donc du coup, ouais, c'est un cerveau. En fait, là dans le DLC, des fois t'auras des. Tous les claptraps ils ont des cerveaux en fait. Parce que les claptraps sont débiles en fait, ne sont pas programmés pour être intelligents. Et du coup, Claptrap, il va leur mettre des robots pour qu'ils aient des personnalités. Comme ça, parce que comme là dans Steam, tu as un succès qui est tuer le robot du général Nox. Tu vois, celui qu'on a tué au précédent DLC. Ouais. Et ben en fait, il va être dans un claptrap. Pareil pour. Alors, je sais qu'il y a Nox, le docteur Ned aussi. Ça va être en fait un claptrap, mais juste avec un cerveau au-dessus. Et ils ont un peu pimpé le claptrap pour qu'il ressemble. C'est toujours un claptrap, mais genre ils lui ont mis une fausse moustache ou des trucs comme ça. D'accord. Et voilà. Et en fait, donc la révolution a été envoyée par Jack, enfin, commandée par Jack, donc le beau Jack, que nous rencontrerons dans le prochain jeu. Chronologique qui est Borderlands après Sequel. Ok. Et on jouera également le Claptrap que nous allons combattre. Qui s'appellera Fractrap. Alors, il faut parler à Tanis. Il faut que je prends la quête. Attends. On n'a pas parlé à Tanis ? Il y avait marqué rencontre. Ah oui, ouais, non, voilà, ouais, faut là. Apportez, on n'est pas aux pièces ici. Rapportez à Tanis quelques pièces détachées de Claptrap. Voilà. Ça, c'est la quête principale. Ouais, c'est la quête principale. Donc là, du coup, en fait, parce que Tanis, elle veut comprendre les Claptrap et pourquoi il y a les cerveaux comme ça. Donc du coup, bah, on va devoir aller tuer des Claptrap. Pour aller. Alors attends, il faut faire le tour. Ah oui, il faut. Je passe là pour rigoler ou quoi? Attends. Je sais qu'il faut faire un tour. Comment on fait déjà? Oui, il faut rentrer dans le. Oui, alors il faut rentrer par ici, je crois. Oui, voilà, par ici. En fait, il faut rentrer par où elle est Tanis. Voilà. Ah. C'est à la. Voilà. Et là, on peut. On peut faire le tour et après en fait il faut monter je crois dans la station et quand on montrera dans la station ben on aura il y a un truc, là. On pourra faire un truc là, vas-y j'arrive. Et donc là du coup on va dans la décharge d'Hyperion. Oui ça. On est d'accord hein. Oui ça c'est coffre secret ou c'est sûrement pour une quête secondaire. Ou pour un boss, là-bas. Ah ouais. Un petit coffre. Ça va être utile. Oh, arme corrosive. Vas-y. Ah, ouais, bah, vas-y, je te laisse prendre le snipe. Oh, punaise, attends, t'as dit corrosive, ça me fait penser à un truc. Attends, c'est quoi le bouton? C'est I. Tab. Et tu changes ton... Ouais. Tu viens de me le faire penser. Voilà. Hop. Alors normalement du coup les claptraps qui auront des petits cerveaux au-dessus de leur tête, ce sera leur point critique en fait. D'accord. Tu
Tu vois, c'est... Vu que c'est le cerveau, c'est leur intelligence, tout ça. Donc c'est parti. Donc là, décharge d'Hyperion. Alors, du coup, j'attends que tu arrives. Donc, quand même, bon, c'est quand même une grande map. Hein. Et on peut... Alors, je crois qu'il faut faire le tour par là. Voilà, donc Claptrap, il fait des messages, comme là, si tu l'entends. Je l'entends pas, je l'entends de très loin, je sais pas ce que... Il est là. Tu veux pas lire ? Allez, haut-parleur. Oui, c'est, en fait, c'est que... C'est, enfin, je sais pas si t'as, vu le, t'as pas vu la cinématique sur le retour du stream. En fait, le, il, enfin, c'est en mode Fidel Castro, Che Guevara et tout, quoi. Genre, je vais libérer mon peuple. Parce que, en fait, Claptrap est devenu un assassin, mais il aime pas que les Claptrap soient martyrisés. Donc, du coup, bah, il va les forcer à faire la révolution. Voilà, oui. Surtout après ce qui va, enfin, surtout avec ce qui va se passer dans dans Borderlands Space Equal et le DLC avec Claptrap. Où là, c'est, tu te dis, les Claptrap sont un peu nuls, mais ça te fait verser quand même une petite larme. Voilà, alors du coup, attends, je vais baisser un peu le son du jeu parce que là, du coup, il est un peu fort. Hop. Je crois qu'on peut faire le tour par. Faut faire le tour par là. Par ici. Alors là, on fait le tour par ici. Point vert là-haut, là-bas. Ouais, non. Alors ça c'est juste... c'est tourelle. C'est un genre de. Enfin, je pense que c'est un bug. Enfin, c'est un bug. À chaque fois qu'on change de zone, il met un repère à chaque fois, en fait. Je sais pas si c'est parce qu'on change de zone ou si c'est genre toi quand il charge ou moi, je sais pas, c'est. Enfin, c'est pas trop gênant quoi. En fait, faut penser à l'enlever à chaque fois. Des échafaudages. Bon, là pour le moment, du coup, on tombe sur des bandits. Hein. Alors par contre, ça, le truc qu'ils ont arrêté d'utiliser dans les autres Borderlands, c'est le recul. Le fait que ton arme, elle va à gauche, à droite, quand tu te fais tirer dessus, c'est horrible. Bon après, les mecs sont pas très compliqués non plus à tuer, vu qu'on est quand même 5 niveaux au-dessus. Et on est en parcours. Alors, on est bon. Hop. Il y en a un là-haut. T'y arrives ou pas? Ça... T'as dû... Je t'entends plus, Luc. Oui. Ah ouais, non. Me fais pas peur comme ça, hein. Après, j'ai pensé que j'ai eu crash. Hop, hop. Ah, il y en a un en bas. Du coup, bah là, c'est... composant de Claptrap. C'est une de sortir tout le temps d'un capteur. En fait, on va devoir se balader dans la map pour récupérer les différentes pièces. C'est génial. Ah oui, t'es méga loin. Bah oui, c'est pour ça. J'ai dit, j'ai demandé si t'es arrivé. Il y a plein de choses vertes à récupérer, bon, je clique. Ouais, j'arrive. Ah, c'est... Ouais, bon, après c'est des coffres, c'est pas trop... Ah mince, attends, c'est une... Ah, t'as maintenu le... Ouais, tout à fait. Voilà. Hop, du coup, bah c'est par ici. Ah bon ? Ouais, en fait, on doit récupérer 5 composants pour créer un Claptrap.
Donc en fait, on va devoir se balader dans la map de point en point pour récupérer dans la décharge d'Hyperion les différentes pièces de claptrap. Ça me fait vraiment penser à Mechagon dans l'eau. Ah oui, bah c'est une décharge. Hein. C'est. Mais est-ce que dans un des autres Borderlands, c'est un truc comme ça? Non, parce qu'après c'est chez Ville. Enfin, ouais, non, c'est pas vraiment dans la Toundra après. Mais oui, ça fait vraiment. Bah après, c'est comment dire un peu le l'inconvénient de Borderlands 1, c'est que y a pas d'environnement varié quoi. Après, c'était le premier aussi, hein, c'est normal. Mais c'est souvent soit du désert, soit tu vois des montagnes. Que dans les autres Borderlands, bon, à part Pre-Sequel où c'est toujours. C'est 80% dans l'espace, qui est normal, parce qu'on est sur la Lune. T'as beaucoup plus de variété d'environnement sur les autres. Alors sur le 2, t'en avais pas mal. Mais alors sur le 3, c'est littéralement. Tu vas de planète en planète. Donc bah, chaque planète, ça change d'environnement, c'est assez sympa. J'ai reçu H1 irréprochable. H1. Ouais, H1, ouais. C'est, alors ça normalement c'est les boucliers, si je dis pas de bêtises, qui quand tu te fais taper font des dégâts de pointe. Qui renvoie les dégâts en fait. Quand tu te fais taper au corps à corps, si je dis pas de bêtises. C'est ça ou pas? Attends, je te dis ça. On voit que je suis level 4 au sniper. Et bah là-bas, il se cache en plus. Alors, c'est un bouclier et rechargement rapide. Ah non, bah ouais, donc c'est rechargement rapide. Mais en fait, je crois que c'est rechargement rapide, mais il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il n'y a pas beaucoup de capacité, je crois. Non, il n'y a pas beaucoup par rapport à ce qu'on a déjà. Ouais, c'est ça. Bon, hop! Alors, on va récupérer la deuxième pièce. Donc ici, on a une pièce de claptrap. Bien évidemment, les claptrap, ils sont tous morts. Et bah, demi-tour. Déjà demi-tour? Bah ouais, j'ai pris la pièce. C'est comme le... Souviens-toi, les quêtes où on doit chercher les pièces d'armes. Sauf que là, au lieu que ce soit dans une petite zone, bah c'est dans toute la map. Bon, après, c'est que la première quête, hein. Ça va aller très vite après. Hop. Ah oui, c'est vrai que t'as toujours pas la minimap d'afficher. Ah si, c'est bon. Depuis pas longtemps, mais... j'ai testé. Ah, il va vite, lui, là. C'était un robuste... Oula! Alors, alors, je sais plus c'est dans quel des Borderlands. Ouais, y'a pas besoin. Hein. Ah, si, y'a un coffre, j'ai pas vu. Je sais plus c'est dans lequel des Borderlands où c'est. Je crois que c'est les Skag. Hop! Quand ils crient, ils augmentent les dégâts de leurs copains. Sérieux? Ouais, je sais plus, c'est dans le... je crois que c'est dans le 3. Ou quand c'est un Skag Alpha ou un truc comme ça, quand il crie, il fait augmenter les dégâts. Tu vois, genre ils deviennent furieux, ils deviennent plus rapides, etc. C'est un peu comme. C'est le guerrier dans WoW, je crois, quand il a un buff comme ça, quand il crie, ça permet de payer un peu pour lui, mais aussi c'est tout le raid. Ouais, bah c'est pas l'héroïsme, c'est comme la BL. Ouais, mais le chaman, c'est vraiment un sort, mais le guerrier, il pousse vraiment le cri. Ah, c'est pas un cri d'héroïsme ou un truc comme ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, je vois le sort.
Faut que je te sur tout. Du coup, bah, je t'attends pour que tu vois à quoi ressemble les pièces. Et en attendant, elle est bandit. Donc, on voit ici les premiers logos de. Bah, en fait, c'est ça, faut récupérer la pièce. Voilà. Hop, on doit aller dans une autre zone. Ouais, c'est parti. Bon, on peut les laisser nous tirer dessus, ça va. Combien on a d'espace encore? Oh, c'est sur 42, ouais, c'est bon. Enfin, moi, j'ai t'as de la place ou pas encore? Je pense que oui. Oui, 10-42. Ouais, bon, c'est bon. Allons-y. Hop. Et on va vers la dernière pièce. Et là, on se bat contre des claptraps. Mais t'as vu, c'est quoi son nom? Là, j'ai non. J'ai pas... c'est claptrap. Comme là, t'as mitrailleur d'Hyperion ou les soldats d'Hyperion. Et t'as claptrap kamikaze puissant. C'est ceux qui qui s'explosent. Sinon, c'est claptrap combattant de la liberté. T'as quelque chose genre, toi, claptrap maître samouraï, c'est ceux qui attaquent au corps à corps. Et ils te tapent avec des maillets. Et regarde, le claptrap combattant de la liberté, c'est un claptrap avec un casque de militaire. Oui. Et là, du coup, les soldats d'Hyperion, du coup, qui se rebellent contre. Enfin, qui veulent nous tuer pour éradiquer Ils sont alliés avec les claptraps. Non, ils sont méchants. Halt. Lâchez vos armes délicatement. Hyperion ne veut pas qu'on les escasse. Voilà. Super Bad Soldier, bon ça c'est un... Ça, c'est un mini-boss. Un mini-boss, hein, voilà, c'est... Mais du coup, c'est... c'est... En fait, ils font juste ça pour le fric, en fait, Hyperion. C'est juste pour les armes. Les mercenaires, quoi. C'est des employés, mais... C'est des employés d'Hyperion, mais oui, c'est des combattants, quoi. Voilà, ah, maître samouraï. Il y a ta sanguine qui bug. Regarde. Ah bah, en fait, elle était en haut, elle bougeait plus. D'accord. Cible touchée. Donc voilà, les claptrap combattants de la liberté sont tous morts. Donc tu vois, genre là, il y a un maître samouraï. Bah, en fait, c'est juste un claptrap avec une. Une ceinture de boxeur, un casque de boxeur et les gants de boxe en fait. Genre là, ici, je sais pas si tu le vois celui-là. À mes pieds, tu vois, genre il y a un casque de boxeur, il y a la ceinture du boxeur avec le logo de l'arche et les masques des trucs de boxeur en fait. Et ah, tiens, des claps poissons. Et un poisson. Trouvez un bol et vous aurez un nouvel ami. Bah, allez, let's go. C'est un item à utiliser ? Je crois, oui. Après, je pense que on va le trouver à Tanis, je pense. Faut le donner à Tanis. Ok. Je vais vérifier, attends. Vas-y. Un petit poisson rouge, le porc. Vas-y, hein, tu peux passer devant, hein, si jamais. Alors, bonjour à toutes les émissions. On a trouvé des poissons de la laisser, monsieur. Des poissons dans les sachets en plastique remplis d'eau. Alors apparemment on peut choper des bidons d'huile, des parts de pizza et des poissons. Voilà. Tu es en train de te battre contre les claptraps ? Il y en avait 4. Hop. Oui, d'accord, mais en fait, ils spawnent en boucle. Oui, c'est... C'est les leurs de la révolution. Hop. Bon, bah, du coup, je vais vendre un peu des trucs. Hein. Ça, on garde pas, ça, on garde... Je vais peut-être garder le... Ça, je garde...
54 x 7, 46 x 7. Bah, c'est mieux 54. Hein. Hop. Hop. Du coup, je t'attends pour le temps que tu vends tes items. T'étais. Non, faut remonter. En arrière. Voilà, par ici. Voilà, et par ici. Et sur les panneaux, il est marqué Trouble. Ah oui. Partout. Des ennuis partout. Du coup, si tu veux aller vendre tes items, vas-y. Hop, et récupère des sous en attendant. Hop. Et on pourra retourner à la Tartarus Station. Et je crois en plus que cette station, en plus, on la revoit dans Borderlands. Pardon. Je crois qu'on la revoit dans Borderlands. Enfin, Tales of Borderlands. Si je dis pas de bêtises. Allez. Allons voir Tanis. Pour qu'elle puisse créer un claptrap. Par ici, j'ai un petit service. Elle veut créer le claptrap. Oui, en fait, avec les composants, elle va. Elle va, je crois, trouver d'autres composants de claptrap pour Tanis. Tanis a besoin d'autres pièces détachées pour finir sa création, le moteur d'improbabilité infinie. Si vous ne trouvez rien par terre, arrachez ce qu'il faut à quelques claptrap malchanceux. Ah oui, Blake. Vice-président en charge du mercenariat et du tourisme chez Hyperion. Oui. Je parle bien d'Hyperion, la société dont vous venez de massacrer un détachement de troupes. J'aime les gens qui font preuve d'initiative. Retrouvez-moi à l'office de tourisme Hyperion. Vous ne le regretterez pas. Donc voilà. Contrat quête principale. On doit aller trouver Blake. Vous dégagez une odeur étrange. Donc l'office de tourisme, alors on fait quoi? On a la quête secondaire où on doit aller chercher les pièces détachées, mais il y en a 42. Donc on doit se faire 42 claptrap. Ou on continue la quête principale. Non, après, je pense qu'on va faire la quête principale parce que normalement les pièces détachées on les suit sur les autres claptrap. On les aura au fur et à mesure, je pense. Et du coup, voilà la station Tartarus. Ici, il faut sauter, hein, bien sûr. Voilà, de mémoire. Oui, non, on peut pas. Faut pas aller en bas, hein, sinon on meurt. C'est par ici. Il n'y a pas un truc en bas, t'es sûr? Non, faut pas y aller, on va mourir. Attends, c'est là-haut ou c'est en bas? Non, il faut aller en bas, t'as raison. Alors en fait, on est d'accord que tu vois rien, là? Moi, je vois des escaliers. Tu vois des escaliers? Ok. Parce que moi, en fait, je voyais rien du tout, je voyais vide. C'est pour ça que, en fait, je pensais qu'on allait mourir. Mais non, en fait, il faut vraiment aller en bas. Il faut qu'on ouvre la porte. Oh mon dieu, ça me rappelle un niveau de Mario. Mario 64. Je vois l'horloger là. Il y a plein d'horloges et que c'est ultra compliqué parce que il y en a qui tournent vite et il y en a qui tournent lentement. Je suis sur l'écrou, je suis Mario. Oui. Attends, j'arrive. Je fais du manège. Ouais, ça va. Parce que si tu te mets là, tu vas être bloqué. Là. Allez, allons à l'office de tourisme d'Hyperion. Bon, sachant que c'est eux qui nous ont attaqués. Ouais. Voilà. Donc voilà, la ville d'Hyperion. Il y a une quête ici. Couper l'alimentation électrique du Pipin. Du pipeline. Non, Pipin. Pipe in, P-I-P-P-I-N-N. Seul le propriétaire de l'illustre hôtel, l'hôtel Salle, en a marre de se faire piquer les clients par les enfoirés du Pin Pin Spa.
voler la source d'énergie du Pin-Pin pour refroidir le sauna. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tu vois la voiture, là? Oui. Alors, on est d'accord que elle aurait été écrasée par le toit. Elle aurait été écrasée par le toit. Regarde les barres, là. Oui. Voilà, bah c'est ma Twingo en 2015. Ah. Par contre, si tu zoomes... voilà, donc je vais pas trop montrer. Alors, regarde le stream. Tu me dis quand tu vois le stream. Rezoomer sur les, je passe des bouquins. Oui, mais tu vas bien quand tu regardes le stream. Oui, je vois. Ouais. Voilà, donc rapidement. Voilà. Tu vois ce que c'est? Des magazines Peggy 18. Voilà. Et c'est des magazines Peggy 18 de Moxie. Voilà. Et on fait une photo. Ah oui. Vas-y. Ah mais attends, c'est quoi pour sa croupière? C'est contrôle. C. Non, c'est. C. Attends, vas-y. Attends. C'est dommage qu'il n'y ait pas une troisième personne. Enlève. Prends un flingue comme arme. Mais non, pas la roquette. Voilà. Bouge pas. Hop, voilà. Vas-y, maintenant mets-toi à grotter. Ah non, t'es trop petit! Oui, je suis trop petit. T'es trop petit? Attends, mais moi, attends, ça passe ou pas? Vas-y. Attends. Ça passe ou je suis trop petit? Non, ça passe, attends. Alors, penche-toi un peu si tu veux. Ça va, l'arme, elle gêne pas? L'arme, elle traverse le. Attends. L'arme, elle traverse le mur. Là, c'est. C'est bon, j'ai pris avec le petit. C'est bon? Ouais, ok. C'est pas. Au moins, on a notre photo. Oui. J'ai du boulot pour vous. Oula. Retrouvez-moi à la c'est une gare. Ouais. Ah bah, vidéo de Marcus. C'est une belle journée sur Pandore. Enfin, sauf que les robots jouent à la fin du monde. Bon, c'est pas comme si Marcus, on l'avait vu depuis le début, hein. Ah, content de vous voir. Alors, récupérer 6 pneus en bon état pour Marcus. Ces salopards de robots m'ont rien. Ouais. Ces pneus sont crevés depuis des années. Allez au dump et trouvez-moi 6 jolis petits pneus pour. Ouais, donc ça c'est dump, c'est la. C'est. La décharge. Alors, la quête principale, elle est où? Il faut aller voir. Nouveau contrat. Hop. Il m'a fait peur. De quoi? Il y avait quelqu'un dans les WC. Stage sur crap. Ah bon? Tu sais quand l'eau courante va revenir? En plus, il fait même pas caca. Le pot il est fermé. Oui, oui. je pense qu'il y a une censure volontaire. Ah, peut-être. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Yolo. Non, il faut aller en haut. Là, je crois qu'on va avoir encore une cinématique et on va voir Blake. Non? Ah si. Oh, les chaussettes. Oh, tiens, on dirait bien notre petite bande de pirates. Ça donne tout le temps confiance, l'arrière-plan de flamme. Hyperion, nous sommes très attachés à la relation de confiance. Alors, remettez le courant pour abaisser les ponts. Et l'opération s'appelle opération Baltrap de Claptrap. Si vous nous aidez, vous bénéficierez d'une généreuse récompense pécuniaire, ainsi que d'un accès à nos toutes dernières technologies. Il semble que les Claptrap tentent de s'interconnecter avec tous les êtres de Pandore. Hyperion, bien sûr, n'a rien à reprocher. Est-ce un défaut de fabriquer un hardware co-compatible? Je vous le demande. Mais, avec la générosité qui nous caractérise, nous avons conçu un plan d'action en 4 phases que nos gars du marketing ont baptisé Opération Baltrap de Claptrap. Avec votre aide, je crois ce plan infaillible. Vas-y, donc là on va faire la quête pour le spoil. Okay, donc en gros c'est remettre l'eau. Hein.
Là, en fait, c'est... oui, il faut remettre le courant pour mettre les ponts. Il faudra repasser au WC, alors voir si le monsieur a eu de l'eau après. Ah oui, oui, en effet. Et il y a le haut-parleur, il a dit qu'on avait des quêtes pour nous. Ah, bon, on va en prendre. Là, par contre, il faut qu'on aille. Hop. Donc là, on a récupéré la source d'électricité pour Marcus. J'arrive dans un impasse, je suis Draken, mais là, c'est parce qu'en fait, il fallait sauter, il fallait faire tout le tour, etc. Sauf qu'il faut juste, si tu sautes, tu peux récupérer l'objet. Technique de speedrun, quoi. Alors, attends, le panneau des primes. En plus, bah, justement, on doit aller retourner au panneau des primes. Alors, le panneau des primes, c'est Rick-Rack bien qui rira le dernier. Réactiver les tourelles armées pour détruire le camp des bandits. Et bah, c'est parti. Il faut qu'on récupère des composants de tourelles et on active des tourelles. Hop. Bah, là, il faut faire le tour de ton côté. Ah bah non, comment on fait? Comment on fait? Oh, il faut passer par en dessous. C'était caché. Alors c'est quoi? Un accessoire de couplage avec contrôle de tir tourelle modèle 4. Enfin, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. T'y arrives ou pas, Jake? Je sais pas. T'es mort. J'ai trouvé une caisse rouge. Ah bon? Mais par contre, pour y accéder. Attends, j'arrive. Alors là, pour y accéder à celle-là. T'es allé dans le métro. Attends. Elle est là-haut, sur la gauche. Ah, attends, il y a une. Je suis tombé. Attends. Tac. Oh. Attends. C'est bon. Normalement, ça passe. Non. Comment on fait? Il faut cette quête rouge! Vite! Ah, t'as réussi? Je suis en face. Ah oui, t'es monté là. Monté là. Bon. T'as fait contrôle. Ouais, je suis là. Bon, bah, prends tout, j'ai pas réussi à. Je sais pas sauter! Des petits niveaux. Oui, bah, de toute façon, après, c'est normal, hein. C'est... Comme je dis, on est level 5, plus de 5 levels au-dessus. Pour que vraiment, en fait, on ait des armes utiles, il faudrait que je passe en parcours 2 et que je lance le DLC, en fait. Hop. Donc on a récupéré les composants pour des tourelles. Maintenant, on va devoir activer des tourelles. Qui est parti. Demi-tour. attends, les tourelles, il faut changer de zone ou pas? Ah bah non. Donc vas-y. T'es sur la voie ferrée. Oui. Y'a un train, Draken. C'est faux. Cours. C'est faux, tu mens. Tu sais pourquoi je sais? Parce que justement, il faut qu'on active l'électricité pour pouvoir abaisser le pont et faire arriver le train. D'accord. Voilà, on peut pas voir. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben on saute. On doit activer des tourelles, Duke. Donc là, bah, j'ai trouvé 4. Il faut activer des tourelles. Donc j'ai trouvé. C'est bon, pourquoi il me dit. Je viens de récupérer encore un composant de tourelles. Moi je récupère des armes. Hop. Alors. Là. Donc j'ai activé une tourelle. Il faut activer la deuxième. On court. Et on tombe. Mais on faut courir encore parce qu'il y a un coffre. Comment on fait? Ah oui, faut aller là.
Par ici. Comment on monte? Il est où ton coffre? En face. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai essayé de faire la même. Hein. Donc là, les tourelles, elles vont se battre contre les bandits. Et nous, du coup, on a fini cette quête. Alors, Hyperion dump ou ouais, c'est tout. Alors. Opération Baltrap de Claptrap, remettez le courant pour abaisser les ponts. Le courant, il faut sortir. Ou on peut retourner à la décharge pour aller récupérer les composants. Ouais, on va faire ça. On va faire la quête secondaire. Allons-y, let's go. Sur là, il n'y en a pas beaucoup des quêtes. Donc, ça va aller vite sinon. Hop, quête rendue. Rira bien qui rira le dernier. Et oui, sache que le plus grand ennemi des claptraps, ce sont les escaliers. Bah oui. Parce que comme ils sont sur des roues, et ben ils ne sont pas programmés pour monter des escaliers. Sauf notre claptrap, le claptrap. Robot assassin qui deviendra Fractrap parce qu'il y aura une roue spécifique pour pouvoir monter les escaliers. Ah, et c'est un des gags dans Borderlands 2 où en gros t'arrives devant la grotte du grand, enfin l'avant-dernière map où il y a le grand méchant, tu te bats contre plein de gens et à la fin t'as Claptrap qui dit vas-y, je suis un héros, je vais venir t'aider. Et il arrive devant des escaliers et il fait « Non, des escaliers, mon pire ennemi !» Et en fait, tu vois qu'il part en courant dans le sens inverse parce que en fait, il a peur. Et du coup, c'est chaque fois, il fait ça. Oh ! Une arme, un pistolet... Alors, mitrailleuse qui fait 82 dégâts mais corrosif et qui est légendaire. Tu prends ou je prends? Non, vas-y. Eh ben c'est parti. Allez, alors ça fait quoi? Oh oui, on va regarder. Et qui est marqué, tu as le bonjour du gros Tony. Sculpture? Hein? C'est une sculpture. Sculpture? Bah oui, c'est El Claptrap. Et vous, c'est quoi là qui est marqué? J'arrive pas, ça veut pas. Vous donnez des ports. Attends, donnez-nous des. Donnez-nous des ports ouverts pour accès à distance ou donnez-nous la mort. Ah, ils veulent internet quoi. Ah oui, ouais, c'est. Oui, d'accord. Et regarde, maintenant, les méchants, ils ont les trucs de cerveau au-dessus de leur tête. Ah oui. Parce que en fait, ils se font contrôler par les Claptrap. Et ils s'appellent du tout, maintenant ils s'appellent tous Bandit Trap. Parce que ils se font le Claptrap, en fait, les Claptrap les convertissent en robots. Une autre encoche sur mon arme. Voilà. Et... Il y en a derrière. Hein? Ah, ça me perturbe, il faut pas que je vise leur tête, il faut que je vise le truc au-dessus quoi. Oui. Je l'ai dit que leur bocal c'était le. Ah ouais. Et c'est des bocals, c'est des cerveaux dans les bocaux. C'est ce que Tanis elle avait tout à l'heure en fait. Alors, les pneus ils sont où? Les pneus ils sont derrière nous. Allez, let's go. Alors, du coup, ici, comme c'est des bandits, t'es pas obligé de taper avec du corrosif.
peut taper avec du feu. Feu. Hop, c'est vrai que je peux te heal. J'avais zappé. Allons trouver des pneus. Ah bah les pneus, il faut aller là-bas. Ça me fait penser au Dalek de... Pas Dalek, au Cyberman dans Doctor Who. D'accord, j'ai toujours pas vu Doctor Who. Alors... Les très vieilles saisons, j'ai pas regardé. Hein, c'est... On est d'accord, hein, il y a deux séries Doctor Who. Il y a la série moderne et la série des années 60. Oui, c'est ça. Ouais. La série moderne commence dans les années 2004, si je dis pas de... On est sur une 14e ou une 15e saison. Oui. Alors en fait, donc le premier docteur, c'était David Eccleston, si je dis pas de bêtises. Ou Peter Eccleston. Le deuxième docteur, c'est David Tennant. Le troisième docteur, c'est Matt Smith, qui pour moi est le meilleur docteur. Mais ça dépend des gens, ça dépend du moment, parce que j'ai commencé avec lui et après j'ai regardé les autres. Et... Mmh. Enfin, j'avais déjà vu 2-3 épisodes avant. Après, ça passe à... comment il s'appelle ? Je l'aime pas trop, mais c'est un plus âgé. J'ai plus son nom. Attends, alors, c'est comment il s'appelle ? C'est le 12e docteur. C'est le docteur... Peter Capaldi, voilà, je me souviens. Et le 13e docteur, c'est Jodie Whittaker. Et le 14e docteur, ce n'est plus son nom. C'est N, c'est le jeune Black Homo dans Sex Education. C'est ça, mais je n'ai plus son nom de... Et ça me perturbe, et en même temps je me dis pourquoi pas, parce que cette personne joue extrêmement bien plein de rôles différents. Après, tout dépendra du docteur qui va jouer. T'as exemple, le docteur de David Tennant, c'était un peu... c'était très sentimental. Un peu, il jouait vraiment sur la tristesse, le regret, etc. J'ai oublié. Celui qui fait souvent des voix de dragon. Hunt quelque chose. John Hunt. Qui a fait le Docteur War. Et donc en gros. Tu vois, genre, t'as David Tennant, c'était plus sur la tristesse, le sentimentalisme. Matt Smith, c'était le docteur foufou. Genre, il courait partout, etc. Jodie Whittaker, c'est un peu les deux. C'est la nouveauté. Capaldi, c'était le... un peu la colère, la vieillesse. Tu vois, enfin, et puis il était vieux, mais c'était vraiment la colère... pas la méchanceté, mais... Super. Je m'y attendais pas. Il était plus le foufou qu'on avait avant, quoi. Mmh. Ouais, ça. Donc à voir ce qu'il va jouer, ça pourrait être pas mal. Hein. Moi j'ai arrêté Jodie Whittaker, j'ai pas regardé parce que c'était... on va dire, niveau histoire, c'était plus ça. C'est le grand showrunner qui s'occupait des David des Doctor Who est parti en fait. Donc ça a changé de, entre guillemets, scénariste principal qui avait fait la saison de toute la nouvelle série. Steven Moffat avait été scénariste, producteur, etc. Et il a arrêté. Hop. Donc j'adore encore Doctor Who, je pourrais m'en faire encore toutes les saisons. Mais tu vois, genre, pour moi, c'est Matt Smith avec Amy, la fille qui attendait.
Extermination, pardon. Oui, bah ils font des... Voilà, c'est ça. Bah, ils font des références aux Daleks. Ça, extermination, c'est... Bon, on a même, dans Borderlands Pas Sequel, t'en auras une autre référence, où en fait, dans Doctor Who, t'as des méchants, c'est les Daleks. C'est des robots... Enfin, je sais pas, t'as sûrement déjà dû les voir au moins une fois. Les Daleks. Et en fait, ils ne font que dire exterminer. Et du coup, bah, les claptraps, il y a une des quêtes dans Borderlands Pas Sequel où on va devoir faire un. On va créer un Dalek en fait, mais en claptrap en fait. Et on va le tuer tout de suite. Parce qu'il va vouloir nous attaquer. Bon, faut qu'on récupère des pneus. Parce que on a fait les 42 sur oui. Le palais. Oui, j'ai vu, ouais. Bon, tant mieux, hein, comme quoi. Parce qu'en plus, comme il respawn à l'infini. Mais voilà. Donc, Doctor Who, à voir ce que ça donne. Niveau histoire, c'est pas... Enfin, moi, ça m'a perdu qu'ils remettent trois compagnons, que, encore une fois, ils te font... revenir un grand méchant alors que ça fait deux fois qu'il meurt dans la saison. T'es là en train de te dire, bon, la dernière fois c'était un peu trop gros, là c'est encore plus gros quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste dans la saison avec Jodie Whittaker. C'est ça qui est dommage, c'est que t'as pas vraiment de grand méchant. Là où les autres saisons, t'avais des grands méchants. T'avais un fil rouge, etc. Bah là, elle n'a plus beaucoup. Par contre, oui, j'allais dire, pourquoi j'ai mon... Hop, on a nos pneus. Mon bouclier qui se rechargeait pas. Bah c'est bon, on a fini les quêtes ici, on peut retourner. Alors attends. Il y en a un qui vient de me dire suivez-moi si tu veux mourir. Mais t'as la ref? Non. Suis-moi si tu veux vivre. De Terminator. Ah. Ce que Kairis dit à Sarah Connor. Bah je suis pas très familier de la licence Terminator. Quand même, suis-moi si tu veux vivre, c'est connu, Jake. Ah, à part Sarah Connor. Oh, je reviendrai. I will be back. I will be back. Ah oui. Et hop. Bon, du coup, on a fait cette quête-là. On va pouvoir la rendre. Et on va pouvoir faire des emplettes encore. Attends, je me suis encore promis. Hop. Non, il fallait que j'achète là. Oh, quoique. T'es où? Non, c'est en arrière, Jake. Ouais, mais j'ai plus quelqu'un. Ah, mais c'est ce petit passage que je rate à chaque fois. Oui. Et oui. Hop. Je te laisse faire tes emplettes et tu me dis quand on peut se taper. Donc là, on a fait les deux quêtes principales, on a fait la quête, les quêtes secondaires, donc on va pouvoir les rendre et après il faudra changer de zone pour aller récupérer l'alimentation électrique. Okay. Parce qu'en fait, au début, Claptrap il disait qu'il veut s'assimiler avec plein de gens. Et en fait, quand Claptrap il veut dire assimiler, c'est pas l'assimilation genre je transforme les gens. Si tu vois ce que je veux dire. Y a pas de. Hop. C'est parti. Ah mais non, mince, il faut rendre une quête à Tanis. Descends pas. Je suis en haut. Hein. Ah, va voir, faut aller voir Tanis. On va aller en la quête.
que c'est elle qui voulait qu'on lui ramène encore des composants de Claptrap. Hop, voilà. Et on a encore une autre quête. Oui. C'est quoi la quête? Des pièces, encore des pièces, toujours des pièces. Bah tu vois, je l'ai pas. Je suis obligé de la... Ah non, si, il dit que je l'ai. Ah oui, je la vois là. Donc ouais, bon, là c'est... Bon, je pense que cette quête-là, on la fera sur la fin. En vrai, c'est les 42, tu vois, ça s'est fait tout seul sans trop réfléchir, donc les 75, c'est pareil. Ouais, peut-être que... Enfin, quand... si jamais on a une autre quête, on... je pense qu'on pourrait aller. Sur les coups du haut. Allons rendre les autres quêtes. Presque. De quoi? Ah, tu vas aller sur... Ah, oui, tu peux monter. J'y suis. Tu peux monter sur tous les écrous, oui, oui. Il faut attention de pas tomber. Faut redescendre tout... Bah, attends, faut passer par tout en bas, c'est ça? Tout en bas, tu sautes. Tu peux sauter. Voyez pas timide, entrez. Hop, donc on a donné les clés à Marcus. Et du coup... Crimson... Ah bah non, c'est vrai, ça c'est la quête de... cette quête là, c'est... Mais il y a une quête qu'on a pas rendue. Ouais, ouais, il y a une quête qu'on a pas rendue. Alors, pour sortir d'ici, il faut... aller par là. Hop. Il faut qu'on descende dans le métro. Hein? Là où on avait la caisse tout à l'heure. Normalement, je crois que c'est par ici. Ou alors, il faut faire tout le tour. Attends. Ah oui, d'accord, il faut aller tout là-bas. Me dis pas qu'il faut... Il faut aller tout là-bas, faut monter, faut... Voilà, faut aller là. Là, on va pouvoir sortir. Il y a une autre caisse en bas. YOLO! Alors, un fusil à pompe et un fusil à pompe... pas ouf. Ah bah c'était les armes des bandits de tout à l'heure en fait. Hop. C'est génial. Que les tourelles elles attaquaient en fait. Je sais pas si t'avais vu. Alors... je pense que je vais bientôt avoir un niveau moi. Il me manque... 20... J'ai juste fermé mon sport et mon tablier. Je commence à avoir mal aux yeux. Hop. Mais voilà, j'ai remis le casque. Alors, on est dans des gros... Ouh, elle est grosse la zone là. Ah, ah, si tu fais un tab, il y a un petit truc. Alors, tab. Alors, fais tabulation, regarde la carte et regarde la map en entier. Tu vois pas, y a pas un truc qui te choque? C'est un poulpe? Non. Y a un gros point d'interrogation. Oui, voilà. Et on a encore un. Pourquoi y a un point d'interrogation? Je sais pas. Regardez nos ennemis écrasés par la roue sans pitié de la révolution des Claptrap. Ouais, en fait, t'as mis des statues partout. Alors attends. Il faut aller par ici. Ça, hop, attendez. Je vais juste faire ça parce que j'ai moins mal aux yeux. On te voit mieux. Hein? On te voit mieux. Ah, ah ouais, c'est sûrement le reflet. Donc là, on a les sergents de la Légion écarlate qui sont robotisés, bien évidemment. C'est tout un micmac, ça.
Hop là. C'est moi ou le son il est bizarre? Y'a rien. Un coup dans le mille. Ouais, alors ça doit être mon arme. Ou alors c'est le son des. C'est le son de la grotte. Y'a un peu d'écho, mais c'est la grotte, oui. Ah ouais, c'est ça, hein. Parce qu'on va aller, on va aller au point d'interrogation, voir. Oh, les larves de crap trap. Ah oui, il y a même fait les larves. Ils ont des petits cerveaux. Ah, vas-y, viens. Regarde, regarde, ils ont des petits trucs de cerveau. Non, mais sérieusement, comment tu peux viser ça, quoi? Voilà, tu vises la tête, là, ça passe. Et qu'il est bête. Alors. En fait, on a fait le tour pour rien. En plein dans les. Ça fait bizarre avec l'écho. Ah, on entend des claptraps se battre. Alors attends. Il faut aller par là. Ah non, faut. Ouais, c'est. Oui, sinon, faut aller par là. Ah. On est arrivé par là, non? Ah non. Sinon, lui, on l'aurait tué. Cible touchée! Celui-là. C'est un labyrinthe, Jake. Bien ce que j'ai l'impression, oui. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. On va arriver au niveau du point d'interrogation. Ouais, du coup, comme on les tue, là, on peut récupérer les pièces. Oui, c'est parce que je suis dans mon inventaire. Ah, pardon. Ouais, t'inquiète, je suis toujours là. I'm still here. Hop, parce que je suis en train de prendre des armes. Bah c'est parti, il faut qu'on aille en bas. Sûr ? Oui. Là, on suit le chemin, on va arriver au point d'interrogation. Point d'interrogation. Pourquoi il y a des claptraps qui ressemblent à Mr. T? Alors il faut monter là. En fait, non, je vais plutôt prendre ça. Ouais, non. Regardez-moi ça. Hop. Donc, je crois qu'il faut qu'on aille. Donc, si on va en bas. Attends, le point d'interrogation de nous. Ouais, non, c'est par là.
putain. Il met une flèche pour aller par ici. Donc non, on va faire le tour, je pense. Après, c'est pas le chemin, mais peut-être que dans le point d'interrogation, il doit avoir Je peux faire une supposition. Ouais. Vas-y. Je sais pas si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que le point d'interrogation, c'est l'étage métallique qu'on vient de faire avec les bâtiments. Tu penses que c'est ça? Je sais pas. Oh, une caisse rouge. Et nul. Grenade et grenade nul. Et mode de soldat, c'est pour ça. Ah non, je suis mort. Ah, ils sont. J'avais pas vu, il était caché lui. C'est bon, je suis revenu à la vie. Attends, parce qu'il y a un truc pour toi qui était violé donc. Attends. Non mais non, je pense que là le point d'interrogation on y va. Non. Ah, t'es là. T'es là, trap. En plein dans le mille. Je sais pas quelle arme prendre. Ne bouge pas. Alors. Vas-y. C'est la typose. C'est la typose. C'est quoi pour le faire? Ouais, espace, ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bouclier équipe, pose de secours, recharge rapide. Bouclier équipe, défense, pose. Ah! Il donne un peu plus de pose de secours, recharge rapide. Allez, vas-y. Recharge rapide, il est où? Ah, recharge rapide, il est là. On tentera. Et du coup, on peut récupérer les items. Mmh. C'est encore plus cool. Hop. Ah, les protecteurs, là, ils sont relous. Hein. C'est super. Alors. Y a des coffres. Oui. Hop. Oh. Ah oui, ça va la tourelle qui nous attaque depuis là-bas. Aïe. La tourelle elle est faite. Tourelle trappe le Galclim, ah oui. Et littéralement tout créé quoi. Hop. Allons chercher l'électricité. Il faut monter. Là-haut. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir un gros truc derrière la porte. Ouais. Mais point d'interrogation Bah ouais, je sais pas. Donc alimentation électrique localisée. Là les ennemis spawnent. Ils sont où? Ils sont en haut? Ah ils sont là. Il y a un gros truc en œil rouge là. Ouais c'est sûrement claptrap. Bah c'est des trucs de claptrap. Protecteurs, ils sont embêtants. Waouh, ça en fait un autre. Ah oui. Il y a magasin à gauche. Qui dit magasin dit boss bientôt. Hop, ça je vends. Pour moi, il y a un boss qui arrive. Hein. Et j'ai gagné un niveau. Et du coup, augmente la vitesse sur le chauchin. Allez, on va prendre celui-là. On est bon.
Hop. Allons remettre le courant. Vous pensez pouvoir arrêter la révolution des capables? On ne peut pas arrêter le torrent qui coule vers la liberté. Enfin, sauf si on est apparent ou si c'est la délégation. Néanmoins, je dois mettre un terme à vos exactions. Alors j'ai amené de vieux amis pour jouer avec vous. Oui, donc c'est ça. En fait, les vieux amis, c'est les anciens ennemis qu'on a tués. Et en fait, ça va être les mini-boss. Attention. Oh non, pas bah, vas-y, regarde. Je revis. Et merde. Lui qui voulait mourir. Et voilà. Tu te souviens de lui? D'autres questions, c'est pas vrai? Oh oh oh! Oh, venez, j'ai eu peur, c'est un petit, ça va. Pour l'instant, j'avais fait spawn plein de trucs. Allez, on va te tuer! Paf! Donc, le général Nox est enfin mort pour de bon. Et normalement, on a eu un succès. Je sais pas. Je regarde après, mais normalement, on a eu un succès. Ah, ça fait du bien. Attends. Ah non, pas encore. C'est magnifique, attendez. Un avant-goût de la souffrance qui attend. Normalement, là. Attends, normalement, on devrait avoir un succès. Si je dis pas de bêtises. Peut-être parce que c'est pas fini. Nox peut reposer en paix, c'est pas trop tôt. Vous avez tué le commandant Steel Trap et vous avez tué le docteur Ned Trap. Normalement, faut peut-être finir cette quête, ouais. Il y a des verres de partout. Super, je m'y attendais pas. Hop. Oh. C'est un peu Noël. Très bon contre la chair. Si tu veux, prends-le, le légendaire. Non, vas-y. Ah, moi j'ai déjà le. Oh. Ouais. Oh. Il y a des verres de partout. C'est génial. C'est un peu Noël? Encore un légendaire! Vache! Oula, en dessous. Ah oui, c'est un relan de. C'est un relan de l'armurerie. Hein. J'ai deux casse-couches tout en haut. Je m'y attendais pas! Ah oui, t'inquiète, moi j'ai en bois, j'ai plein de flingues. Nul. Putain, mais le niveau quoi, sérieux. Ah, regardez-moi ça! Alors attends, parce que j'ai des trucs pour toi, je crois. Alors attends. Attends. Je vais la garder. Lui, je vais le garder. 106, 103, c'est mieux lui. Lui, je le jette. 108, je jette. Je jette aussi. 232. Non. Tac, tac. Alors, classe chasseur. Tiens, hop. Hop. Voilà. Tout ce que j'avais pour toi. Alors, voyons. Okay. J'ai encore ça aussi. Ah oui.
Ouais, des trucs pas mal hein, pour toi. Hop, on a remis le courant. Excellent. Vous avez rendu possible ce que mon équipe estimait impossible. C'est leur pessimisme qui va en prendre un coup. Revenez ici afin que nous lancions la phase 2 de l'opération Ball Trap de Claptrap. Non, ça c'était, ouais, c'était la sortie. Là, il y a quoi ? Oui, non, c'est Nox. C'est à droite. Donc là, on a remis le courant normalement dans la ville. On va pouvoir aller voir si le monsieur va faire son caca ou pas. Oh, il y a des racks en haut. Ah oui, même les racks, il les a transformés en claptrap. Mais sérieux. Rack trap incendiaire. Ah ouais, on se me fâche. Quand il a assimilé tout le monde, il a assimilé tout le monde, lui. Bizarre, il n'y a pas d'ennemis. Oh, par contre, il y a des coffres. Alors, ouais, pas ouf, pas ouf. Il est pas ouf. Alors, ils auraient pu mettre un TP hein, quand même. C'est peut-être là qu'on va l'avoir, le point d'interrogation, non? Bien, on a des armes ici. Oh! C'est super! Puissance de feu infinie. Ah, je crois que c'est celui qui se recharge. Attends. Oui, c'est ça, c'est celui qui recharge ses munitions automatiquement. Alors, pas dans ton chargeur, mais dans ta réserve de munitions. Bah, let's go. Hein. Rentre-toi à la maison. Non, c'est pas par là. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Faut suivre le câble. On va faire un peu d'empête. Non, c'est... Si c'est pas 103 qu'il fallait que je garde, c'est le 106. Voilà. Tu me dis quand c'est bon. Alors, allons rendre la quête à Blake et on va voir si le monsieur dans les toilettes est toujours présent. Non mais c'est le courant qu'on a remis, pas l'eau courante.
Ah oui, oui, non, oui, oui, mais normalement, si on a remis le courant, ça fait les pompes. Pas où. Peut-être. Il y aura peut-être une quête, remettre le courant. Alors, hop, Tartarus. Monsieur Blake. Prêt à passer à l'étape suivante. Hop, trouvez et détruisez l'usine de production des claptraps. Cela constitue une violation patentée de nombreux brevets et copyrights appartenant à Hyperion. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Permettez-moi de garder votre précision pour le combat. Introduisez-vous dans l'usine et désactivez-la. Et pensez à garder les factures. Portez-vous bien. Si, sérieux. J'ai entendu un tir et vous. Non, ça c'est Marcus. Est-ce qu'on a des quêtes? Oui, on a des quêtes. On va se fendre la pipe, trouver des ordures et placer-les à l'endroit où on entend poser la nourriture à l'hôtel sale. Et trouver et tuer le cluck trap. T'es repéré dans le sens. Si vous tuez une sorte de vol aérobotique rouge et blanche, vous avez droit à une délicieuse récompense. Ok. Alors, les pièces de claptrap, on va les avoir après. Claptrap. Tartarus Station. Il faut trouver des ordures. Parce que là, en gros, dans cette quête, on a piqué l'énergie du sauna. Et du coup, eux, le sauna, veulent se venger en récupérant. Hop. En récupérant des ordures. Et en les mettant au restaurant pour se venger, en fait. Alors. Ils sont où les ordures? Ils sont là. Ah bah. Bonjour monsieur. Il y a le tas d'ordures. Et on va devoir aller le placer devant l'hôtel. Enfin le restaurant. Alors attends, il dit qu'il faut descendre. Il dit que c'est en bas, donc il faut descendre de l'autre côté, je pense. Ouais, ça va être par là. Par ici ou pas? Non. Oh, je suis bloqué. Non, c'est pas par là, mais c'est par où? Attends, comment on descend par ici? Peut-être par là. Alors. Je sais pas où il faut aller. Comment on fait? Perdu, Jake. Je peux pas t'aider. je sais. Et je sais pas où il faut qu'on aille. Alors, attends, ça c'est par ici, Tartarus Station. Là, on est un peu au-dessus. Ah, il faut peut-être passer par là. Là, on passe en dessous.
Il y a un trou ou pas ici? Ah, oh d'accord. Ah oui, d'accord. Eh ben, on aurait pu chercher longtemps. Regarde, avec la tôle, tu le vois même pas. Oui, d'accord. Par contre, et j'ai des bugs, je vois de, oui. En dessous de la map. Oui, oui, pareil. On est d'accord. Si les textures ne se chargent pas, c'est compliqué aussi. Hein. Bon, bah, c'est bon. On a placé des ordures dans le... Je crois que c'est le compacteur à manger. Bon, hop. Voilà, ça c'est fait. Du coup, quête. Thunder Gorge, c'était là où on était. Bon, allez, c'est parti. Hein. Allons tuer des. Trouver l'usine des Claptrap. Donc, l'usine des Claptrap, on doit y accéder comment? Il faut aller sur le. Il faut aller sur la route. Comment? La voie de chemin de fer. Je vais y arriver. Du coup, là, les ponts, ils sont descendus. Alors, il y a un truc de quête ici, apparemment. Ah, oui, il y a un claptrap. Réparer le claptrap endommagé. Cadeau. Ah bah nickel. Ah bah non. Ah ouais, d'habitude c'est vrai que Claptrap combattant la liberté. Ah non, c'est... Je peux rien faire. Ah mais t'es bloqué. Bah à part sauter mais... Ah oui, non mais parce que la porte elle est fermée. Et normalement elle est ouverte. En fait c'était un piège. Bah ça fait des items. Oui, oui. Du coup là on a un coffre et on peut rendre la quête ici, à côté. Ah bon, on a quand même le... Super, je m'y attendais. Mince, c'est pas ça que je voulais. On a quand même le kit d'optimisation, donc n'oublie pas de l'activer. Quel kit? Va dans ton inventaire et on a eu un code kit d'optimisation. Parfait. Et j'ai un point. Ah ouais, bah vas-y. Tu me dis quand c'est good. Comme ça je peux... Je nous TP. Ah oui, vas-y. Hop, c'est parti. Donc, c'est la photo, tu vois la photo de... du Claptrap en Che Guevara. Non, c'est pas dit ça. Hein. C'est Fidel Castro. Ouais, je comprends toujours. Faut pas les confondre. C'est oui, pas... oui, oui, non, mais oui, je sais, oui, c'est pas pareil. C'est vrai que quand je vois plutôt ça, ça me fait penser à la parodie de JDG de El Presidente. Je sais pas si. On attend toujours les épisodes, hein. Normalement il doit les reprendre. Mais il m'avait bien fait rigoler. Les épisodes sur Tropico. C'est quoi ça? JDG il a fait une. Non, hein, d'accord. C'est à côté de moi? Non, je sais pas, il y a une espèce de gros œuf au plat par terre. Hein? Regarde, même les cactus ils sont devenus des robots. Oh, mais sérieux? quand ils disent qu'ils veulent tout assimiler, Claptrap. Donc, trouver les pompes de refroidissement et les détruire.
Donc voilà l'usine qui clé les claptraps. On va aller par ici. Mon fusil à pompe il balance des boules, mais ça explose. Si je retire dessus, ça explose pas en fait. Je suis obligé de viser par terre. Là, ça va être le dédale. Bien sûr, des claptraps partout. Voilà. Ah bah. Bon sang, claptrap. Je suis docteur, pas mécanicien. Voilà. Alors. J'espère qu'il va pas se. Oh, bah, j'espère qu'il va pas se transformer en. En gros génial. Monstre là. Une autre encoche sur mon arme. Apparemment non. C'est un peu Noël. Donc on a tué le docteur Ned Trapp. Allons détruire. Il y a des points rouges de partout. Hein. Ça, oh, ça oui, oui, c'est les quatre trappes, t'inquiète. Super, je m'y attendais pas. Hop. Pas la peine de passer chez le docteur. Alors, il n'y a plus de musique. De bidon tué. J'adore ça. Alors, j'espère qu'ils vont pas spawner à l'infini parce que. Ils se font laminer. Je crois qu'ils spawnent à l'infini. Non. C'est ce canon, hein. Attends, hop. De l'autre côté? Ouais, je suis parti au côté objectif comme ça. Ils vont arrêter de spawn. Ah bon, on a fait les 75 de Tanis. Ouais. Donc là, on a détruit la première pompe de refroidissement. Il y a un coffre rouge. Des armes ici. Oh, une arme. Non. Arme méridienne. Oh, ça fait le bruit de la foudre. Je vais la prendre. On va tester celle-là. Oh non, bah tu vois l'arme méridienne, elle est pas mal. Elle fait des arcs électriques. D'accord. Donc ça se propage aux ennemis, c'est cool. Derrière nous. Il y a un truc là. Mais c'est comme. Mais faut le détruire. Comment on fait? Bah, tu tires dessus. Ah bah direct. D'accord. Hop. Vas-y, je te laisse prendre l'arme. Regardez-moi ça. Je prends le truc chasseur, mais l'arme. Vas-y.
Et du coup, là, on doit détruire la troisième pompe de refroidissement. Et en fait, en faisant ça, on va détruire l'usine de, des claptraps. Des claptraps, ok. Je pense que je vais garder la méridienne. Elle est grave cool. Hein. Super, je m'y attendais pas. Hop. Pas un truc là aussi. C'est génial. Et ben c'est bon, on a fait. On peut retourner aller rendre la quête. Ok. Ça le stuff on l'a déjà. Ah, par contre, ouais, les armes elles mettent du temps à se recharger. Viridienne, la vache. Ah, j'ai oublié un truc. Alors, il faut aller par là. Enfin, franchement, ils devraient mettre des. Dans Borderlands 2, ça, ils ont clairement amélioré le truc. Où à chaque fois que tu te bats contre un gros boss de zone, ils te mettent toujours un TP. Soit en fait le boss bloque entre guillemets une zone, donc t'as juste à changer de zone et t'as un TP à côté. Soit t'as vraiment un TP juste avant et tu peux au moins retourner chez toi rapidos. Parce que là... Je m'y attendais pas. Alors, c'est parti. En vrai, t'es pas obligé de les tuer, les claptraps, ils donnent quasi pas d'XP, je pense. Là-bas, il y a un bruit de trappe. Un vicieux trappe. Ah, mais en fait, il se... Ouais, c'est ça, c'est que la trappe il les transforme de plus en plus en robots en fait. Hop. Et du coup, faut qu'on saute. Et du coup, normalement, mais il faut que je regarde si on a débloqué les succès, parce que normalement, on devrait le débloquer. Tu vois, non, enfin, Alors, peut-être qu'il y aura une autre quête après où il faut les retuer, mais là, enfin, perso, j'ai pas les succès. Bizarre. Alors, allons faire des emplettes. Donc ça, il me sert plus à rien. Lui non plus. On est parti. Mais je te confirme que j'ai pas eu le succès. T'as pas eu le succès non plus, hein? Non. C'est bizarre. D'habitude, enfin normalement on devrait l'avoir. Allons rendre la quête. Ah là, c'est ça, je me dis, il y a bien un tableau des primes en dessous. Il n'y a pas un tableau des primes ici. Ah non. Bizarre, il était d'accord avec moi, il met une icône tableau des primes, non? Pour l'instant, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je pense qu'on peut aller rendre la quête à Tanis également. En même temps. Alerte, alerte. Ah. Les bandits attaquent Tartarus Station. Si vous faites le mort, ils vous laisseront en vie. Le Poudlard Express. Moi, je n'aimais pas beaucoup.
Putain, presque. Oui, ils ont beaucoup quand même. Ils arrivent en train et c'est le bandit express qui s'appelle le train. Alors ils sont en dessous, je crois. Enfin, ils sont là. Cible touchée. Laissez-moi disparaître. Ouais, pas mal. D'accord. C'était les messages d'intérêt généraux. Ah mais c'était important. Hein. Ah oui, c'est un genre de fusil à pompe en fait, le truc aérien. Alors on va aller rendre les pièces à Tanis. Est-ce qu'il y aura encore une quête où elle va nous dire pouvez-vous me ramasser 999 pièces Je crois en plus c'est pour un truc tout con qu'elle fait ça. Je crois que c'est pour se faire un copain ou... Bonjour mon ami. Alors, vous avez mis la main sur les pièces détachées, rapporté des pièces encore. La fonction popcorn de la machine de Tanis ne fonctionne pas. Enfin si, mais elle fabrique du maïs mutant mortel. Et quelques pièces supplémentaires devraient permettre de rattraper ça. Et du coup, il faut qu'on en ramène 100. En vrai, si on continue à avoir des claptraps comme ça, ça se fait tout seul. Oui, je pense, oui. Allons rendre la quête... hop, opération... Baltrap de claptrap. Partie 2. Est-ce qu'on a d'autres quêtes ici? Non, ça c'est juste tuer le poulet. On va tuer un poulet robot. Alors, le bandit express. On n'a pas besoin. Et allons voir Monsieur Blake. Salutations, cher client. Alors, si on résume, des meurs du sabotage et les tunnels. Phase 3. Nous vous aimons et nous croyons en vous. Maintenant, la phase 3. Comme dans une ruche, les claptraps obéissent à une intelligence commune. Coupez la tête et le reste tombera. Vous devrez donc voler l'appareil à codage de routeur d'annonce sans fil, ou ACRA. Bizarre, ça donne envie de manger du poisson. J'en toucherai de nouveau au marketing. Fin de la pause, au travail. Et bien c'est parti. Allons à l'entrepôt et trouver la CRA. Là du coup avec le train je pense que je vais rester sur le bord de la route parce que je sais pas pourquoi je sens que le train il va débouler. Hein ? Il y a du sol élastique. Ah non, oui. Il y avait un passage ouvert. Oui. Ah bah c'est peut-être pour te suicider. Je sais que comme là dans Borderlands 2, t'as une quête où c'est ça. En gros, t'as le Bojack qui t'appelle et qui te dit bah voilà, c'est SOS. Non, attends, il y a un truc en bas. Ah oui, d'accord. Non, mais il y a rien. Oui, non. Enfin, là, si, oui, il y a un truc. C'est super. Hop. Et du coup, allons
au sortchet de Snake Canyon. Alors, la map. C'est parti. Il y a un cadenas, ça pour plus tard. Bah, mon mode de grenade level 120. Oui, non. Oui, c'est ça, oui, il a pas. Alors, je crois qu'il faut monter ici. Donc, bah non, on peut se balader. Alors, donc, comment on monte? Ah oui, non, il faut monter par... Il faut passer de tourelle en tourelle, non? Attends, on peut passer par ici? Ah non, il faut descendre. Ah oui, d'accord. Faut aller par ici. Parce que je crois que normalement on peut monter sur les tourelles après. Enfin les toiles. Il y a des skags et tout. Ah la musique est cool. C'est ça, c'est musique on entendra quand on se bat contre Terramorphous. C'est pas comme musique indienne, c'est pas mal. Oui, ça va. Mais il va mourir, lui, ou... Zut. Et ben on va devoir... Je crois qu'on va devoir tout remonter ça et après on va devoir aller dessus. Là-haut, là, tu vois. C'est sûr et certain, on y va sur les plateformes là-haut. Il n'y avait pas un truc de véhicule. Il y a ça, il y a des worms dans le ciel, il y a une étoile de la mort dans le ciel. Oui, c'est Elpis. La lune de Pandore. Que nous visiterons dans Pandore. Oh, j'ai goûté un truc gros là, attends. Vladov ouvrier Speed Rocket Launcher. Oui. Non, il y en a encore. Aidé. Et c'est bon. C'est bon. Ok, alors attends. C'est où? Ah, mais c'est un lance-roquette. Oui, c'est un rocket launcher. Je le prends. Oui, vas-y. Parenthèse. Il y a plein de points rouges. Ah, mais c'est les worms. Les rack. Ouais. Je suppose qu'on peut pas aller en bas. Ah bah si. Parce que regarde ce que t'as en bas. Un gros trou. Oui, mais il y a autre chose. Très bizarrement texturé. Il y a autre chose, Jake. J'ai pas... Ah. Ok. Oh, il y a plein de loot. Oui, c'est les racks que j'ai tués. Oui, j'ai vu le truc central, hein. Je fais genre je l'ai pas vu, mais je l'ai vu. Oui, c'est même qui c'est normalement. Ne marche pas dessus. Ah, GG. Tu peux tirer, ça fait rien. Allez, je crois que c'est pas maintenant qu'il va spawn. Mais tu te souviens de qui c'est? C'est un truc tentaculaire, non? C'est la Rack Hive. C'est la. Oui, voilà, c'est le truc. C'est la. Le nid des racks. C'est un gros toutou.
Mais oui, normalement, il devrait spawn, je pense. Alors, c'est pour une quête. Par contre, c'est chiant, c'est qu'on doit faire tout le tour. Là, faut faire tout le tour de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté. Si regarde, on peut pas passer en fait. Ouais, parce que normalement elle doit spawn, on doit la tuer et après on remonte tout et. C'est bête. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Ah, ou alors elle va spawn quand on va revenir. Oula, 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 oula. Paf! Compte pour le concours celui-là! La vache! Donc il y en aura d'autres, hein, faire gaffe. Ouais, ouais. Après, il est encore loin la sortie. Hein. C'est dommage, on a plus de musique. Encore. Ah mais en plus c'est des électriques. Si ça aurait été autre chose que des électriques, ça aurait été cool. Hop, il est mort. Il mord la poussière. Il y a un truc violet, je suis clairement. Ah. En plus c'est un pistolet. Un pistolet qui fait 220 dégâts corrosifs. On va tester après. J'adore le bruit de l'arme, ça fait le bruit du tonnerre, c'est trop cool. Ah. Bien sûr, il faut que ce soit des skags électriques. J'ai trouvé un truc aérien pour toi. Un bonus relique. Je te le donne après. Après je pense normalement je crois que le max c'est level 4 donc il y a peut-être moyen que. Voilà, alors la relique que j'ai chopée pour toi. Améliore les compétences sanguines et ajoute des dégâts corrosifs. Mais je pense que tu l'as déjà, c'est le level 4. Elle est où? Elle est par terre. Je crois que tu l'as hein, déjà. On ne pouvait pas utiliser cet objet. Ouais, c'est ça, c'est le. C'est la corrosif level 4. Tu l'as déjà. Sérieusement, mais je suis. Hop. Là, du coup, je suis passé que le level avec les héritiens. Je gagne quasiment rien. Je crois que l'Akra, c'est la Rack Hive. Elle doit être dans la Rack Hive, je crois.
plus de chargeur plein. Comment il court Mon compte de mort augmente. Ah bah classe soldat artefact, je crois que je l'ai déjà. Ouais c'est ça. Allez on arrive bientôt à la fin. En vrai je me demande si c'est pas mieux de tracer. Hein. On peut hein. Allez, parti, traçons. Super. Allez, ouvre-nous la porte, Captain. Hop, c'est bon, la porte est ouverte. Alors, je vois des tourelles. L'efficacité avant tout. J'adore ça. C'est comme si j'avais mon escouade. Ah oui, il y a... On peut... Hop. Voilà. Viens où je suis, hein, j'ai que tombé de point à les taper. Hein. Bah, il y a les loot. C'est pas grave. C'est pas grave non plus. Viens vendre tes items, en plus tu m'as dit que t'avais plus de place. Et où? Ah, là. Non, mais en fait, je m'étais trompé, c'était les munitions, il y avait. Ah! Oui, il faut descendre. Ah oh, mais il y a des passages par comme ça. Comment vous voulez que j'y voie quelque chose, moi? Non, on descend encore. La clé marche. Soldats, préparez votre équipe pour investir les lieux pendant que je finis. Attendez. Où suis-je? Où est passée l'arche? Qu'est-ce que ce trou fait là? Ouais, parce qu'elle s'est fait perforer par... Elle s'était perforée par le dévoreur. Mais ils ont un semblant de conscience quand même. Oui, ils ont... Ils savent qu'ils sont morts. Mais Claptrap les contrôle quand même en fait. Ça n'a pas fait long feu, hein. Ouais. Je vous en supplie, tuez-moi. Laissez-moi mourir dignement. Ouais, ça, ouais, gros. Bouge ton boule. D'accord. D'accord. C'était censé être un boss? Oui, c'était un mini-boss. Donc, le système Accra. C'est une antenne râteau. C'est n'importe quoi. Par ici. Quoi? Ils sont la machine à craindre? Dommage qu'il n'y ait pas de prise ou la branchée. Comment ça sans fil? Qu'est-ce qui m'a foutu des coups? Bon, c'est pas grave. Laissez venir les oppresseurs. Je m'en charge. Ouais, donc là, on va se rendre vers le dernier boss. Alors attends, il faut aller où maintenant?
est sorti. Mais il faut retourner au spot. Envoie-les en enfer, Sanguine. Ah ouais, on me fâche. On trace ou pas? Ouais. On va alors. On arrose et on les crève. Ah oui, donc c'est là qu'il faut monter. Ils se font laminer. Hop, là on va monter. En fait, on va arriver sur les tourelles. Et on va rush en fait. On va passer au-dessus de tout. Non, c'est pas pareil. C'est bien, c'est que même on a la quête des pièces. Je vais les zapper. Mmh. Je dis on récolte encore des pièces alors qu'on n'a plus la quête, mais si. Santé en tube. Hop. Et là, du coup, on est passé au-dessus de tous. Alors, il faut descendre par l'escalier, sinon ça va pas. Oui, la musique, enfin. Hop. Ah, la musique, c'est vraiment quand elle veut. Hein. Ouais, c'est un peu gênant. Des moments où t'as rien pendant 10 minutes et puis après. Et un coffre rouge. Ah bah lance-roquette. Je m'y attendais pas. Alors. Et du coup, tout ça je me disais qu'on peut passer, mais du coup c'est ça, on retourne au spawn en fait. Et du coup. Rouge à droite. Ouais, attends, hop, j'ouvre la porte. Par contre pour y aller. Où ça? En face. Et bah si, regarde. Passe par là. Mais non. Il colle le mur. Tu colles et tu sautes. Tu vois. Et là, on saute. YOLO. Et tu vois, t'arrives en plus. En plus, tu sautes carrément plus. Vas-y, prends-le. Oh, tu vois, t'es pas... Et là, du coup, si jamais... Oh mon dieu, on est tombé. Mais c'est pas grave. On peut vendre notre stuff et puis Hop, alors Bah c'est bon, voilà. C'est bon, il est vendu. Tu me dis quand c'est bon qu'on peut TP. Allez. Et du coup on va pouvoir partir sur la dernière mission. Principal. Il nous manque la moitié des pièces là, non, on en a 48, 50. Même moins, je crois.
Attends. Apportez votre pièce. 44. C'est où? Je suis derrière toi. C'est là. Après, je crois qu'on a encore. Bah là, c'est la dernière. On va vers la dernière mission pour se battre contre le Claptrap. Et après, on peut finir sur la quête pour les pièces. Hein. On va à l'endroit où il spawn à l'infini. Ouais. Et on finira sur cette. Dans les quêtes de ce DLC, donc là, on va vers le dernier Claptrap. Mais il reste des quêtes après. Oui, bah il y a la quête où on doit tuer le Coq-Trap. Et c'est tout? Il y en a encore deux autres, je crois, après. C'est des quêtes secondaires. C'est un petit DLC, hein. C'est par rapport à... Si reste qu'une ou deux quêtes, et que on va le faire en 20 minutes, on va pas faire un stream de 20 minutes. Non, on va le finir ce soir, D'accord. T'inquiète. Prêt à passer à l'étape suivante. J'adore sa voix. Voilà. Alors, on a trouvé l'Acra, et ça vous a coûté quoi? Un peu de sueur et un tas de munitions. L'heure est venue de remettre les robots à leur place. Et du coup, utiliser l'Acra sur le Claptrap assassin. J'ai saisi la séquence de réinitialisation dans l'appareil Acra. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous approcher suffisamment du Claptrap assassin ninja interplanétaire pour l'utiliser. Bonne chance. Oh, et pensez à remplir un de nos coupons réponses si vous survivez. Donc, attends, c'est bon. C'est vrai, pendant qu'il parlait, j'avais le framerate qui est passé à 30 FPS, 13 FPS. Mm. Alors, est-ce qu'on a des quêtes? Oui. Tuer Default et 15 de ses bandits. Fletcher, c'est une autre quête secondaire. Et alors, Arid Badlands. Ah, on doit... C'est sérieux. Arid Badlands, c'est l'endroit où on spawn. D'accord. On fait quoi? On va aller tuer le Claptrap dans la grotte? Je te suis. Vraiment, je suis perdu. Non. Je suis l'histoire, c'est déjà pas mal. Mais en termes de géographie, je suis complètement paumé. Bon, allez. Let's go. Du coup, on va continuer la principale. Du coup, il faut. Pour là, il faut aller normalement par ici. Donc non, normalement, si je dis pas de bêtises, les Arid Badlands, c'est l'endroit où on est arrivé en bus en fait. D'accord. Ah non, c'est Firestone. Je dis, c'est Firestone l'endroit où on arrive en bus. Est-ce que la porte elle s'ouvre ou pas ici? Oui. Là, hop. On saute. Hop. Une autre statue de Claptrap. Non mais plus ça va, plus les statues c'est un mode dictature. Hein. Ah bah oui, c'est... Là c'est quoi? Là on a un mélange de César et de Napoléon. Oui. Attends, c'est quoi le mot de passe de la Révolution? Erreur 404, fichier non trouvé. Erreur 404, fichier non trouvé. C'est n'importe quoi. Bien sûr, et qui va pas mettre le mot de passe. Oula. T'as vu, il y a dedans en haut. Ouais, on dirait un serpent. Enfin, je... Premier truc que ça m'avait pensé, c'était un serpent. Alors, Wayward Pass. Est-ce qu'on a une quête là? Wayward Pass. Arid Badlands, vous allez où? Non. Donc c'est parti. Alors, allons dans le vaisseau. Enfin, un vaisseau entrepôt à peu près.
T'as vu ce qui est marqué au-dessus? Non mais t'as vu comment il fait pour attirer les gens? Ouais. Gun, Amo et Candy et Puppy for free. J'ai dit quoi? Oula! Ah! Ah bah non, bah en fait les revelas Donc je pense que c'est là qu'on va avoir le succès. Il est encore en mode blasé. Où est l'interrupteur marche arrêt? Attends. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va se taper les deux autres aussi. Mais le plus chiant, c'est lui. Viser le visage. Alors le mec il nous aide quoi. C'est des kamikazes qui spawnent. C'est simple. Hein. Ah voilà. C'est bon. Aïe. Non. Merci. C'est où le bouton? Vive le logiciel libre. Ah mais oui, il fallait évidemment. On pouvait utiliser ça pour nous aider. Oh. Pour le brûler. Oui, vive le logiciel libre. Il a tout à fait raison. Vive les software free. Alors Ah là, le premier c'est le fait. Et le deuxième c'est obey. C'est punaise, mais ils ont vraiment repris un. Le deuxième, c'est une affiche d'un artiste activiste qui était très engagé sur la liberté, l'égalité et l'écologie. Ah. Avec le code binaire, je suis sûr qu'en plus il veut dire un truc. Avec le Oh punaise, oh oui, il y a des chances, oui. Attends, les screens, si j'ai la foi. Ouais, je pense aussi. Genre, il faudra peut-être le convertir en exa. Ah bah là aussi, pareil, si tu veux screen. Oh punaise. Là, par contre. Tu l'as lu? Enfin, lu, c'est un grand mot, mais oui, je l'ai vu, oui. Ah, tu le vois? Ah oui, tu le vois en même temps que moi. Attends, tu veux le screen ou pas? C'est fait. Ah, ok. Ah, je pensais qu'il y avait que moi qui le voyais, c'est pour ça. Alors, attends, il faut aller par là. Attends, reviens. Mais c'est les trois chemins en plus. C'est super. Regarde, c'est il nous a refait le chemin de Jacob Cove. Mais c'est des pancartes en carton. Mais oui, c'est les zombies. Attends. Tu veux péter tomber? Bah oui, tu l'as fait tomber, parce que tu tires dessus. Il n'y a pas un succès? Oh, je sais pas. Voilà, no evil boss here, spa, free trésor. Bien sûr, la pancarte Jacobs, donc bah là on va se taper Ned. Ah oui, ah oui, ah bah oui. Et où? Ah bah descends.
comment ça? Descends. Regarde qui c'est qu'on a. Oh putain. En mode zombie, en mode momie. C'est trop cool. Je le préfère. Je le préfère comme ça, hein, la vache. Il y a un grand public de Clairtap. Oui, c'est parce qu'il croit qu'on va mourir. Je préfère son skin comme ça, hein, la vache. Yes. Et du coup, il restera style. Alors du coup, c'est par ici. Du coup, il nous eut parce qu'on a gagné. Attends. Alors c'est bon. J'allais dire, dès que tu sors de la zone, ça fait plus les humains. Je lui ai dit, putain, si tu en jamais, tu redémarres. 120, rebondisse au contact. Hop. Ah, bah, troisième boss, et on va pouvoir vendre nos... Il fait spawn des pancartes de zombies. Un stand de tir, le truc. Mais c'est un gros sourcil avec une tenue de... Comment il s'appelle? C'est... L'impressorique. Oui, non, mais c'est une référence à un vieux dessin animé. Captain Caverne. Voilà. Captain Caverne. Qui a même fait des crossovers avec Scooby-Doo. Oui. Et moi, j'ai connu Captain Caverne grâce à Scooby-Doo. Parce que je ne connaissais pas Captain Caverne. Alors, là, on va se battre donc contre Steel. Pourquoi? Oh. Regardez-moi ça. Oh. Ok, this time we're serious, no boss here. Il est bête. T'as un objet du jour, soldat. Ah, Rouge. Ouais, je vais regarder. Oui, c'est rouge pour toi, puisque, ouais... Non, enfin, c'est la machine rouge. Oui, chasseur d'âme impact. Ouais, non, c'est pas. Il faille mourir, c'est rouge, nos boss, c'est n'importe quoi. Il est bête. Vas-y. Et là, par contre, ça va être les Iridiens. Regarde, il a même refait le dévoreur en pancarte. C'est des pancartes de partout. Attends, est-ce qu'on peut. Et style est live. Oh! Oh! Quoi? Je tue le public. Tu peux tuer le public? Oui. Attends. Il y a le boss. Ok. Il est où le boss? Il y a plus de boss. Attends, on peut tirer sur le public? Attends, comment ça, il y a plus de boss? Bah, elle est morte. J'ai dit, il est où le boss? Et après, tu me dis, il y a plus de boss? Je l'ai même pas vu. Bah ouais, mais je l'ai tué. Bah GG, mais what? Attends, je suis comme toi, je suis en train de tuer le public. Et là, en fait, c'était un succès caché, tuer le public. Je pense, oui. Attends, il y a un succès ou pas sur ça? Vous avez tué... Attends, faut que je refasse, parce que... Hop, voilà. Alors, il y a 5 succès cachés. Vous avez trouvé 25 bidons d'huile. Vous avez terminé la mission Dingo de Tanis. Donc ça, c'est le collectionneur. Et vous avez trouvé les 6 statues de Claptrap. Non, il n'y a pas de... Enfin, alors, à moins que c'est un succès caché. Ouais.
sinon, le boss, c'était quoi? C'était bah, Captain Steel. C'était celle qui s'est fait empaler par le dévoreur. Ah, ah c'est pas le, le claptrap, d'accord. Non, c'était, c'était c'est après le claptrap. C'était le claptrap final. Non, on l'a après le claptrap. Okay. En fait, c'est trois, les trois mini-boss. Et après, on a, là, on va aller. Oui, je comprends mieux pourquoi tu l'as descendu aussi vite. Oui, oui, enfin, c'était un mini-boss. Et là, on va se battre contre le vrai claptrap. Super, je m'y attendais pas. Alors. Parce qu'en fait, on fait tout ça pour retourner au début. C'est ça, oui, c'est ça, Harry Badland. On fait tout ça pour retourner à l'endroit où on est arrivé. Où tout a commencé. On rembobine le jeu. La boucle est bouclée. Et c'est. C'est là où il s'est transformé en ninja, claptrap. Donc là, si on regarde la map, c'est en fait c'est Harry Badland, mais c'est pas vraiment Harry Badland. C'est l'Harry Badland du DLC en fait. Et c'est là, c'est l'endroit où on est arrivé, tu vois, dans le bus. On en a jamais trop. C'est un peu Noël. Flèche chasseur pour toi. Bon. À gauche. Je les vois sous map. Tu me dis quand ta map est enfin, quand c'est complètement chargé qu'on. Ouais, alors attends, le mode chasseur par contre peut-être que. 42. Vas-y, vas-y, vas-y. 42. Ah oui, mais donc 40. C'est ça, c'est un sniper le truc iridien. Je vais le garder ça. Are you ready? Oh, ça, ça veut dire qu'on va pourchasser ou être pourchassé. Non. Oula, pardon, excusez. Donc là, on va arriver, c'est au tout début, souviens-toi, avec le bus et tout. D'accord. Tu te souviens pas quand on est arrivé? Tu vois, bonjour, voilà. Mes amis. Tu vois, voilà. Hyperion m'a demandé de vous transporter vers des planètes plus hospitalières quand vous aurez désossé cette petite merde. Des mondes excitants comme Eden 6. Tenez, une fois sur Eden 6... Oh, il a... Apparemment, il a tué Marcus. Ah, s'il a fallu plus d'un tir, alors c'était pas un Jacobs. Vous savez, je n'étais pas programmé pour le combat direct, ni programmé pour faire des guillemets avec mes pinces. Il faut croire que j'ai dépassé mon programme, que je me suis affranchi de cet esclavage et que j'ai épuisé ma réserve de patience. Alors affrontez le méga claptrap assassin ninja interplanétaire. Coucou. Oh punaise. Minak. Et le petit faut pas trop vite. Hein? Le petit faut. Non, le plus d'accord. Coucou! C'est le truc rouge qu'il faut viser? Oui! Les petits claptraps. Ah mais dis-le moi que tu veux mourir. J'ai pas du tout fait gaffe à ma vie. Oula, attention, oui, parce qu'il peut écraser. Hein. J'arrive pas à choper la deuxième tourelle. T'embête pas, hein, fais juste le l'œil. Hein. En fait, quand on va détruire l'œil, il va, voilà, il va sortir. D'accord. Donc là, tu vois, le truc se pète, claptrap est sorti. Voilà. Et là, du coup, on doit se battre contre le vrai claptrap. Shoryuken. Et voilà. Oh. Direct. Non, 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 non. Vous ne mourrez jamais vivant.
écoutez-moi bien, je vous égorgerai tous de mes propres pinces et je me ferai un chapeau avec vos sales scalps. N'abandonnez jamais mes frères et sœurs. Menez la révolution à son terme. Meurtre, mort, tuerie, massacre, extermination. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur. Mon esprit m'a dit. Je le sens. Mon esprit m'a dit. J'en suis sûr. Je le sens. Et j'ai peur. Bonjour, voyageur. Et voilà. Une nouvelle dance. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Tout est vrai. Sauf l'histoire avec cette tarée qui m'a jeté. J'ai inventé cette anecdote pour capter l'attention des filles. Et voilà. Okay. Le DLC est terminé. Oui, bien. Là, on va devoir aller retourner voir Blake. On a ramassé tous les trucs verts. Oui. Je vais vérifier. Ah non, par là-bas, il y en a encore. C'était rigolo quand même. Ah, c'était dégueu. Et tu vois le petit dit ouais, tu vas te battre contre le petit claptrap et puis. Et ça, en fait, tout ça, on le revoit... Attends, il y a des coffres là-bas. C'est des coffres de munitions. On le revoit, en fait... Enfin, ces personnages, en tout cas, on les revoit dans le DLC de Borderlands Pre-Sequel, le voyage de Claptrap, en fait. D'accord. Le Claptastric Voyage, puisque en fait, on va aller dans Claptrap, donc dans sa mémoire. Okay. Et genre tu vois le gros claptrap qu'on a vu là, le Minak, eh bien dans le claptrap on va devoir l'aider à je crois à aller chercher des tourelles parce que il n'y a pas en confiance en lui ou des trucs comme ça. Yes. Ah bah vas-y prends tout, hein. Moi j'en ai une autre. C'est bon, je te ferai tes médias là. Oui, bah je pense que tu peux les vendre, hein, ils sont pas utiles là pour moi, t'inquiète. Tu me dis quand je peux TP? Bah, si j'ai pas d'autres coffres rouges sur le chemin. Bah, normalement, non, celui que j'ai pris là sur le côté. Eh ben, banco. Vas-y, c'est parti. Donc là, on va les rendre. Mais bah oui, si je fais tabulation, ça l'annule. Donc là, on retourne au début. Hop! Donc on est littéralement sorti par là où on est arrivé. Et on va pouvoir aller farmer les pièces. Il nous en manque que 10. Il en manque pas beaucoup, oui. Oui. Alors, tac, tac. Du coup, il faut qu'on change de zone. On peut aller rendre la quête pour les acras, là. Besoin de quelque chose ? Que, ouais, là. Bon, vas-y, on va changer. On va changer de zone, on va lui rendre la quête à elle, et puis on va rendre la quête principale. Poupoum, poupoum. Alors, des claptraps. Par contre, des 6 statues. 5, non ?
Ouais, on a que ça. Mais après, il y en a peut-être encore une qui est cachée dans une autre zone. Après, eux, on n'est pas obligé de les battre. Faut les tuer. Ouais, faut les tuer les autres. Cette fois, je me suis pas trompé, j'ai mis mon micro. Ah oui, mais t'inquiète, j'avais... Hop. Je le retrouve. Alors, oh, des pièces. Oula. Ça pique, ça pique, ça pique. Ça commence à laguer. Allez. Allez, plus que 6. Plus que 5. Si on était deux. Non. C'est bon, t'inquiète. Le concours, celui-là. Ah, c'est bon. Allez, on peut aller les rendre. Et là, il en faut 999. Oh non. En vrai, c'est pas si long à monter. Hein. Oui, oui, ouais. Après, faut aller comme là, l'endroit où il respawn à mort. Après, l'autre meilleur endroit, c'est l'entrepôt, où il y en a vraiment beaucoup. Ou sinon, là, la zone de fin où on est sûr qu'il spawn à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous donner, Tanis ? Je pourrais trouver quelque intérêt à vos services. Alors, les pièces détachées que vous avez apportées ont permis de régler le problème de maïs mutant. Maintenant, elle va vouloir du beurre pour le popcorn. Il faut encore en ramener 150. Et je sais pas toi, mais moi, je suis arrivé à la limite de sous. De sous ? Comment ça, de sous ? Ben, je suis à 9 999. Attends. D'accord, ok. Tac. Je suis à 99 999. D'accord, bah je suis à la moitié. D'accord. Falloir faire des sous. Bah je suis à 4 900 000. Voilà, et des brouettes. Sachant qu'au début de ce soir, j'étais à moins de 300 000 tout court. Parce que la dernière fois, tu sais, j'avais acheté plein de choses. Ah oui, 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 oui. Il y a un fait pour enfin un succès pour dire que t'as le maximum d'argent. T'as un défi, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je vérifie. Oui, il y a un défi. Combien pour la planète, ça donne 20 000 d'XP. Espérons que vous serez plus dégourdis que le dernier. Du coup, là, en gros, la quête qu'on va rendre, la quête principale, et ben, je passe level 45. Mais pareil, il manque 10%. Ah, mais moi, c'est même pas 10%. Ah ouais. Hein. Moi, il me manque. 333 points d'XP. Ah oui, encore. Ah bah ouais. Ah. Hop. Si tu veux, on fera la quête de Tanis en off. Comme on a fait les... Comme tu veux. C'est juste pour avoir un success team, hein, c'est tout. Parce que là, en plus, je commence à...
à faire des yo-yo au niveau FPS, pourtant je ne fais rien du tout de spécial. Alors, Blake, félicitations, c'en est fini de la glorieuse révolution, même si on doit s'attendre à voir des adolescents excités arborer des t-shirts à l'effigie des Claptrap dans les années à venir. Vive la révolution! Allez, rendre service, voilà le seul vrai, en fait, le seul vrai cadeau, en fait, non. Allez au magasin de cadeaux de d'Hyperion, qui est juste à côté. Voilà, donc le magasin de cadeaux. On ouvre la trappe. Oula, pourquoi il y a des caisses de TNT? Ah oui, quand même! Oh punaise! Oh punaise. Des armes ici! Ça lag, Jack, ça lag. Oui. Noël. Récupérons tout et puis on fera le thème plus tard. Tu veux te faire peur, hein? Super! Je m'y attendais pas! Ah bah c'est un beau cadeau, Hyperion. Merci, Hyperion. Dire qu'on va vous défoncer dans tous les autres épisodes. Hop. Hop. Alors, j'ai gagné deux points. Yes. Bah non, pourquoi j'ai eu deux points? Je suis passé le level 45. Alors c'est le point que du niveau. Ah non, il donne un point à la quête, je crois. Alors, niveau stuff. Eh ben, si tu veux, j'ai la même mitraillette de feu que j'avais, mais un peu moins puissante. Ah non, c'est pas la même, c'est pas la même. J'ai ça, si tu veux. C'est un peu Noël ? Non, c'est bon. Alors. Moi, ouais, j'ai ça peut-être pour toi. Regardez-moi ça! Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ton sniper, il fait combien? Il fait 819, oui, 96,07. Voilà. Cadence de trise de tir plus 13, zoom 0,8. Dégâts plus 107, dégâts critiques plus 200. Ton lance-roquette, il fait combien? 1177, 89, 2.7. Tiens. Je m'y attendais pas. Tu peux prendre le lance-roquette. C'est quoi la différence entre ces deux-là? Attends, j'ai peut-être ça pour toi, ça peut peut-être t'intéresser. T'aimes bien comme ça, quoi. Oh oui. Allez. Il y a ça. Là, c'est du gris. Chasseur. Non, ça, j'ai dit, je vais faire ça. Ça, je m'en fiche. Ça, c'est pour toi. Ça. Non, ça m'intéresse pas. Ok. Non. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est nul. Voilà. Je suis plein. Faut éviter tout ça. Bah non, vaut mieux que ce soit toi qui vende, comme ça t'auras les sous. T'es plein. C'est plein. Génial. Plein. Non, tu vomis, mais comment tu peux porter tout ça sur toi, quoi? Bah j'ai 45 items. C'est un peu Noël. Non, mais sérieusement, l'animation de tout ça par terre, bah, tu les vomis. Allez, tiens, fais-toi plaisir.
Super, je m'y attendais pas. Attends, il y a ça aussi encore. Tu peux, en fait, les trucs que tu m'as donné, tu peux les reprendre. Ça alors, c'est pour le jour de chance. C'est, on fait pareil que les clips de rappeurs avec les billets, sauf que c'est des armes. C'est ça, c'est exactement ça. Et le pire, c'est que maintenant, tu vas devoir... Alors, soit tu les vends tous d'un coup... Attends, il manque une place. Ouais. soit tu les mets tous en mode la corbeille et tu les mets à vendre. Voilà, voilà. Ah, mais, ceci, moi je suis full alors. Après, c'est peut-être parce que c'est moi qui rends les quêtes, mais non, normalement t'auras l'argent aussi. Tac, tac, tac. Et attention, attention, attention. C'est le dernier et c'est ce qui va faire la différence. Voilà, il y a plein de neufs partout. Ah, c'est dit, toi aussi t'es full. Ah, yeah. Voilà, GG. Et normalement, t'as eu 20 000 d'XP. Je sais. Si, non. Si. Si, si, t'as eu le défi 20 000 d'XP. Mais il faut que j'aille le chercher, le défi, que je le valide à la main. Il te l'a pas mis en haut quand t'as eu les 9 999 Non, et ma barre d'XP n'a pas avancé en fait. Normalement, tu dois l'avoir. Si tu vas dans tes quêtes. Tu vas sur les missions, ouais. T'as les médailles. Les médailles. Si ouais. tu descends et tu descends un petit, tu descends et normalement t'as combien pour la planète? Combien pour la planète? Il est validé. Et il est check gris, donc je suppose qu'il. Ouais, donc c'est bon. Normalement c'est bon. T'as eu les 20 000. Avec moi, déjà, c'est gagnant gagnant. Ah oui, mais d'accord, oui, mais par rapport à nos niveaux, oui, c'est rien, pas oui. Grand chose. Oui. D'accord, ah oui, t'as oublié. Alors. Il manque 12, ouais, on va dire 13 000 d'XP pour passer à le niveau. Ah bah. Ah, ça c'est du magasin de cadeaux. Cette cage d'armes secrète vaut tous les étalages de boules de neige, de mugs décorés et de peluches de Skag. Fin de la pause. D'accord. Et voilà. Donc après, bon, il y a la quête de tuer les bandits, de rechercher les pièces du puzzle et tout, mais bon, c'est pas fini sinon. Et ben voilà, c'était le DLC dernier DLC de Borderlands. Et le nom du DLC, c'est la révolution de Claptrap, c'est ça? C'est, oui, c'est ça. C'est la Robolution. Alors, le nom en français, bouge pas, je vais te le trouver. Hop. Hop. Alors, le nom en français. Hop, il est où le nom en français? Il est où la Robolution peut-être? Ah, je vais le DLC 4 Borderlands. Alors, DLC 4 Borderlands. Et ben là, il me le met pas en français. Ah bah non, bah si, pourtant il me le met en français. Fandom, pourtant. Attends. Revolution Borderlands. Bah, il me le met pas en français, bizarre. Je vais te trouver le nom. Alors, tac, 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 Borderlands, c'est juste Nouvelle Révolution. D'accord. Nouvelle Révolution, mais en anglais, c'est Claptrap News, New Robo Revolution. Oui, d'accord, oui. Voilà, c'est la Nouvelle Révolution des Claptrap robots. Du nouveau robot Claptrap, voilà. Et du coup... hop, voilà, j'ai le truc dans l'œil. Donc c'était le dernier DLC. Qui est, enfin après les DLC également, au-delà de rajouter des niveaux, enfin rajouter du contenu, rajouter également des niveaux en fait, et des parcours de, des parcours de comment de fin de jeu en fait. Comme là, lui, il ramenait le level 61, etc.
On fait notre petit duel à New Haven ou on le fait ici? Comme tu veux. Vas-y, on va le faire à New Haven. Et puis du coup, ce sera fini de Borderlands. D'accord. Le prochain épisode sera... alors, si on suit chronologiquement... C'est, alors, si vraiment on fait chronologie, mais chronologie à mort, y a des, c'est Tales from Borderlands, puis il y a 2-3 épisodes, c'est Borderlands pré-séquel. Tu vois, c'est... C'est pas Old Heaven, c'est New Heaven. Là. Non, non, non. Voilà. Parce qu'en fait, dans Borderlands pré-séquel, on nous raconte une histoire via des flashbacks. Donc quand on est dans le présent, c'est après Borderlands 2 et Borderlands pré-séquel, enfin, et Tales from Borderlands. Mais quand on est dans le flashback, c'est après Borderlands 1 et avant tout ça. Je sais pas si tu... Oui, oui. Donc, bon, après, on s'en fout, c'est que des flashbacks, hein. Mais du coup, le prochain, ce sera Borderlands pré-séquel. On pourra jouer avec la trappe. You ready? Quel meilleur guerrier! Ça te servira à l'entraînement. Hey, ici c'est un colloque. Louis des autos, tu peux la peindre avec plein de couleurs. Oula, 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 je passe à 13 FPS. N'allez pas défier les champs. What? Alors, je t'ai mis une tête, mais en random, là, je sais pas comment je t'ai... T'as combien de vie, là? 745. C'est pas possible, je t'ai mis un one-shot. Je crois que ça bug, parce que... Allez, vas-y. Parce que mon arme, attends, mon arme, elle fait... Vas-y. Elle fait 161 x 2. Et je t'ai mis en mode random, et j'ai même pas vu de critique, donc pour moi... Tu vois, genre, ah, quand je te tire, ça t'enlève la moitié de ton bouclier. Ouais. Là, mais j'ai peut-être des dégâts critiques. Ah, dégâts d'armes plus 100. C'est pour ça. Chargeur vide. Bon. Charge, vas-y. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est l'art méridienne, donc ça met... Vous croyez être à la hauteur? T'as changé de skin? Pas du tout. Mais sur les duels, ça alterne entre la tenue rouge et la tenue violette en fonction de. Ah bon? J'ai jamais fait gaffe. J'avais jamais fait attention. Bon, le petit dernier. Allez, le petit dernier. Le petit dernier. Un. Mais non, non, attends, la toile elle va te taper. Oh. Tu peux tuer ma toile? Ok, attends, c'est bon. Voilà. Allez, c'est parti. Affrontez des gars de votre catégorie. Et voilà. Ce fut le dernier duel sur Borderlands. Du coup, pour une fois, et ben, paf! Quoi, oh, paf? Chargement, t'as quitté? Bah ouais! Ça sert à rien que tu quittes pour sauvegarder, ça va rien faire du tout! Mais ça a sauvegardé tout ce qu'on a fait ce soir quand même! Oui, oui, bah oui, t'inquiète pas! Ah, bon. T'inquiète pas! De toute façon, moi je désinstalle le jeu, c'est bon! Oh la violence! Mais c'est bon, là, j'ai fini, hein, je désinstalle! J'installe tout, de toute façon! Je vais le désinstaller aussi, de toute façon! Bah, enfin, tu vois! Je vais pas le rembourser, machin, de toute façon, tu pourras pas le faire rembourser, ça fait longtemps que je l'ai, parce que je kiffe les jeux, mais si jamais je dois rejouer à Borderlands 1, je jouerai à la version normale. Pas la Enhanced? Pas la Enhanced, parce qu'il y a eu trop de... Franchement, je sais pas toi, mais on va dire notre aventure, je trouve qu'il y a eu pas mal de bugs. Et sur la normale, il y en a pas. Sur la normale, il y en a carrément moins.
Je me souviens que le GOTY normal, j'avais pas de, quand j'y jouais, j'avais pas de chute de FPS. J'avais un PC moins puissant que celui-là. Et j'ai quasiment pas souvenir d'avoir eu des bugs, quoi. D'accord. Et c'est... Alors bon, c'est même un peu le défaut du jeu que beaucoup remontent, c'est que la Unhunted, ouais, c'est bien, ils ont remasterisé un peu des textures, mais ils ont ajouté plus de bugs que de bien, en fait. Donc, cette version-là, en tout cas, je la désinstallerai. D'accord, ok. Mais par contre, les autres jeux, comme là, le pré-séquel... Si tu veux, je peux te montrer la cinématique de début de pré-séquel. Non, on verra ça quand on le fera. Après, pré-séquel, comme j'ai déjà joué sur Steam, j'ai déjà des succès. Donc des fois, il y a des succès que tu débloqueras, que moi, j'aurais déjà débloqué, en fait. D'accord. Tu vois, genre, j'ai déjà 38 succès sur 63. J'ai 60% des succès déjà débloqués. Ouais, il en reste à faire. Parce que, oui, bah après, oui, c'est... Comme là, les succès, bah, c'est... terminer toutes les quêtes secondaires, genre, ranimer des joueurs avec l'oxygène, mais ça, faut jouer à plusieurs. J'ai testé tous les modes de chasseur de l'arche. Enfin, chasseur underscore 2 underscore L underscore arche point exe. C'est, en fait, c'est la compétence de Claptrap. Elle s'appelle chasseur de l'arche.exe. Et il récupère. En fait, c'est. Tu veux. Enfin, je te montrerai. Monsieur, je te montrerai après. Je ne vous spoilerai pas le stream. Après, tu vois, tu es 10 ennemis en même temps avec une seule utilisation du sort de telle personne, etc. C'est des petits succès. Tu vois, genre passer level 50, j'ai tous les lieux qui sont découverts, j'ai gagné un duel. C'est des petits succès un peu... enfin, pas facile à avoir, mais... ça passe, quoi. Enfin, voilà. Bon. Et bien, sur ce, messieurs, dames, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez la VOD. N'hésitez pas à suivre Yvasson Studio sur nos réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, pour suivre notre petit planning. Planning, je sais qu'il y a du Pokémon Unite tous les jours. Ensuite, c'est pas vraiment défini, ouais, pour la semaine prochaine. Quasiment tous les jours, en vrai, parce que il y aura un stream Lego la semaine prochaine. Il y a un stream très spécifique mardi, pas mais mardi, c'est parce qu'on sera le 17 mai et c'est, voilà, c'est important, donc on en reparlera et vous serez en stream. Il y aura du Valley, d'autres choses. Oui, voilà. Je pense. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, hein, ça fait toujours plaisir. C'était Draken et Jake, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Cordialement bisous. À bientôt, cordialement bisous.